Bonjour. Je vous présente le livre L'Autorité du Croyant par Kenneth E. Hegin. Chapitre 1er. Les prières de Paul Bien plus que tout autre épître à destination des églises, la lettre de Paul adressée aux Éphésiens sur laquelle je base mon livre révèle ce qu'est l'autorité du croyant. Je vous incite donc à relire encore et encore. Pendant plusieurs jours, les trois premiers chapitres d'Éphésiens. Vous remarquerez qu'il y a des prières inspirées et ointes du Saint-Esprit à la fin des premiers et troisième chapitres. Pourtant, parce que le Saint-Esprit en est l'auteur, ces prières ne s'adressent pas uniquement à l'Église d'Éphèse. Elles sont tout aussi importantes pour nous à l'heure actuelle qu'elles l'étaient à l'époque pour les chrétiens d'Éphèse. Éphésiens 1 verset 16 à 20 Je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet quand je fais mention de vous dans mes prières. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint, et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en la faisant agir en Christ lorsqu'il a ressuscité et il l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Ephésiens 3, verset 14 à 19 C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent, comme d'un modèle, toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur que Christ habite dans votre cœur par la foi. Enraciné et solidement fondé dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui font partie du peuple saint, combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et vous serez ainsi rempli de toute la plénitude de Dieu. Je connus un tournant décisif dans ma vie lorsque j'y fis ces mêmes prières pour moi-même plus de mille fois. Je commençais à les lire à haute voix, à partir du premier chapitre, mettant moi là où Paul disait vous. Par exemple, en déclarant Éphésiens 3, 14 à 17, je disais C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent, comme d'un modèle, toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il m'accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans mon être intérieur, que Christ habite dans mon cœur par la foi. Je passais beaucoup de temps à réciter ces deux prières, à genouiller devant l'autel de la dernière église dont j'étais pasteur dans l'Est du Texas. Je laissais toujours ma Bible ouverte aux pages de ces deux prières, et je les faisais pour moi-même plusieurs fois par jour. Parfois, j'informais mon épouse que je me rendais à l'église à côté pour prier et qu'il ne fallait pas me déranger, sauf en cas d'urgence. Parfois, je restais en prière deux ou trois jours de suite. Environ six mois s'écoulèrent ainsi pendant l'hiver 1947-1948. Puis, la première chose pour laquelle je priais advint. Je priais pour avoir par l'Esprit, sagesse et révélation. Ephésiens 1, 17, et l'Esprit de révélation se mit à se manifester en moi. Je commençai à comprendre des vérités bibliques qui m'étaient autrefois cachées, mais qui maintenant m'étaient dévoilées. En six mois, je grandis davantage spirituellement et je fis plus de progrès dans la connaissance de la parole de Dieu que je n'en avais fait en 14 ans comme pasteur, et pendant plus de 16 ans en tant que chrétien. Ce fut une des découvertes spirituelles les plus importantes que j'ai jamais faites. Je déclarai à mon épouse, Qu'est-ce que j'ai bien pu prêcher pendant toutes ces années Mon ignorance de la Bible a été telle que je n'en reviens pas que les diacres n'aient pas éprouvé la nécessité de venir me dire de réatterrir. Nous avons besoin de cet esprit de sagesse et de révélation de Christ et de sa parole si nous voulons grandir. En outre, nous ne pouvons pas le recevoir à travers notre intellect. C'est le Saint-Esprit qui doit nous le révéler. Maintes fois, les croyants expriment le désir de savoir prier pour leurs frères et sœurs en Christ. Si vous vous mettez à faire pour eux ces prières en Éphésiens, vous verrez les résultats dans leur vie. Je vous recommande de les faire pour vous également. Il y a des années, je fis ces prières deux fois par jour, matin et soir, en faveur d'un membre de ma famille. Il avait désespérément besoin de guérison, mais n'arrivait pas à saisir l'enseignement biblique sur la guérison divine. J'insérais son nom dans la prière, comme je l'avais fait pour moi-même. Au bout de dix jours, je reçus une lettre de sa part. Il s'émerveillait m'écrivant. Je commence à comprendre ce que je n'avais jamais saisi auparavant. Dès qu'on se base sur la parole, cela change la donne. La rapidité avec laquelle les membres de ma famille ont été transformés, dès que j'ai commencé à prier pour eux de façon scripturaire, a été étonnante. Je priais pour certains d'entre eux depuis des années sans résultat. L'autorité du croyant. Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas lutté contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Dieu merci, en Jésus-Christ, nous avons autorité sur de tels esprits maléfiques. Nous devons comprendre ce que Paul dit ici à la lumière de ses propos dans les chapitres précédents. Nous devons nous rendre compte que nous avons autorité en Christ. Lorsque nous combattons le diable, ayons toujours conscience de l'autorité que nous exerçons sur lui, parce qu'il est un ennemi vaincu. Le Seigneur Jésus l'a vaincu pour nous. Pourtant, en ce qui concerne la vie chrétienne, l'autorité du croyant est l'un des sujets les plus méconnus. Certains estiment que cette autorité n'est réservée qu'à quelques élus qui ont reçu de Dieu des pouvoirs exceptionnels. Mais ce n'est pas le cas. Elle appartient à tous les enfants de Dieu. Nous recevons cette autorité à la nouvelle naissance. En devenant de nouvelles créatures en Jésus-Christ, nous héritons du nom du Seigneur Jésus-Christ et pouvons nous en servir dans la prière pour combattre l'ennemi. Mais le diable ne veut pas que les chrétiens découvrent leur autorité en tant que croyants. Il veut continuer à nous vaincre à volonté. C'est pourquoi il fait tout son possible pour nous empêcher de découvrir la vérité au sujet de notre autorité. Il s'en prend à nous dans ce domaine plus que dans tout autre domaine. Car il sait que dès que nous apprenons la vérité, cela sonne le glas de sa victoire. Nous le dominerons en jouissant de l'autorité qui nous revient de droit. Ephésiens 1.3 déclare Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous, toute l'Église, il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste en raison de notre union avec Christ. En Christ, toutes les bénédictions spirituelles qui existent nous appartiennent. L'autorité nous appartient, que nous en soyons conscients ou non. Mais le fait de le savoir ne suffit pas. Il faut agir en conséquence de nos connaissances pour obtenir des résultats. Quelle tragédie pour tout chrétien qui poursuit son chemin sans jamais découvrir ce qui lui appartient. Vous est-il arrivé de réfléchir au fait que le salut appartient aux pécheurs Jésus a déjà payé le salut du pire des pécheurs comme il l'a fait pour nous. C'est la raison pour laquelle il nous a dit d'aller annoncer la bonne nouvelle, de dire aux pécheurs qu'ils sont réconciliés avec Dieu. Mais effectivement, nous ne leur avons jamais annoncé cela. Nous leur avons dit que Dieu est en colère contre eux et qu'il dresse une liste de toutes leurs erreurs. Cependant, la Bible affirme que Dieu ne tient pas rigueur aux pécheurs. Dieu déclare qu'il a effacé l'ardoise. Voilà ce qui est tellement affreux. Puisque le pauvre pécheur ne sait pas cela, il sera obligé d'aller en enfer, malgré le fait que toutes ses dettes sont annulées. 2 Corinthiens 5, 19 nous l'affirme. Le péché ne pose plus de problème. Jésus a résolu cette question du péché. Le problème, c'est le pécheur. Si ce dernier vient à Jésus, il n'y a plus de problème. Certes, c'est un peu différent de ce qu'on enseigne aux gens, mais c'est ce qu'annonce la Bible. Le pécheur ne sait pas ce qui lui appartient, alors cela ne lui fait aucun bien. De même, si les chrétiens ne savent pas ce qui leur appartient, cela ne leur sert à rien. Ils doivent découvrir ce qui leur revient de droit. C'est pourquoi Dieu a placé des enseignants dans l'Église. C'est également pourquoi Dieu nous a donné sa parole, pour nous renseigner sur ce qui nous appartient. Sur le plan naturel également, si nous ne savons pas ce qui est notre, cela ne nous sert à rien. Par le passé, j'ai raconté le fait qu'un jour, je mis un billet de 20 dollars dans mon portefeuille et n'y pensais plus. Puis, alors qu'un jour je manquais d'essence, je jetai un coup d'œil dans mon portefeuille et je retrouvai ce billet. Je ne pus pas dire que je ne l'avais pas. Parce que je l'avais depuis des mois dans la poche arrière de mon pantalon. Tant que j'ignorais l'existence de cet argent, je ne pouvais pas le dépenser. Pourtant, il m'appartenait autant quand j'ignorais son existence que quand je m'en rendis compte. Il y a quelques années, je lus dans un journal l'histoire d'un homme trouvé mort dans la petite chambre misérable qu'il louait pour 3 dollars par semaine. Pendant une vingtaine d'années, il avait traîné dans les rues de Chicago, en guenille, tirant sa nourriture des poubelles. Comme il ne le voyait plus depuis deux ou trois jours, des voisins inquiets s'étaient rendus chez lui et l'avaient trouvé mort dans son lit. L'autopsie révéla qu'il était mort de faim. Toutefois, une ceinture porte-monnaie autour de sa taille contenait plus de 23 000 dollars. Cet homme avait vécu dans la misère noire. Il était colporteur de journaux pour gagner son pain. Pourtant, il possédait de l'argent. Il aurait pu descendre dans le meilleur hôtel de la ville au lieu de vivre dans cette pièce sale et exiguë. Il aurait pu s'offrir la meilleure cuisine au lieu de manger des ordures. Mais il refusa de se servir de ce qui lui appartenait. Nous avons besoin de prendre conscience de notre patrimoine. Selon Jésus, vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. Jean 8, 32. Dieu dit également Oui, mon peuple, pas les pécheurs, pas le monde, mon peuple périt faute de connaissance. Osée 4, 6. Des gens périssent, bel et bien, alors qu'ils ne le devraient pas. Chapitre 2. Qu'est-ce que l'autorité Les traducteurs du Nouveau Testament étaient logiques dans la traduction de beaucoup de mots. Cependant, ils ne l'étaient pas pour les vocables grecs signifiant pouvoir et autorité. Nous en trouvons une illustration dans Luc 10, verset 19. Écoutez. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces, tout le pouvoir, de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Le mot pouvoir est employé deux fois dans ce verset, mais en grec, on trouve deux termes différents. En réalité, Jésus disait, Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur tout le pouvoir de l'ennemi. En mentionnant des serpents et des scorpions, Jésus se référait à la puissance du diable, des démons, des esprits maléfiques et de toutes ses cohortes. Nous devons prendre conscience que nous avons autorité sur eux. L'Église du Seigneur Jésus-Christ dispose-t-elle ou a-t-elle besoin de moins d'autorité qu'au premier siècle de notre ère Il serait ridicule de croire cela, n'est-ce pas la valeur de notre autorité dépend de la puissance qui se tient derrière elle. Dieu lui-même est la force derrière notre autorité. Le diable et ses troupes sont obligés de reconnaître notre autorité. Le croyant qui comprend pleinement que la force de Dieu l'éteille peut exercer son autorité et faire face au diable sans peur. Qu'est-ce que l'autorité L'autorité est le pouvoir délégué. Dans la circulation aux heures de pointe, les agents de police n'ont qu'à lever la main pour arrêter les voitures. Ces hommes n'ont pas le pouvoir, c'est-à-dire la force physique, d'arrêter les véhicules si les conducteurs décident de ne pas s'arrêter. Ces agents ne se servent pas de leur propre force, mais ils sont forts en vertu de l'autorité qu'ils ont reçue du gouvernement qu'ils représentent. Les gens reconnaissent cette autorité et s'arrêtent. Gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ nous a investi de son autorité. Paul a exhorté les chrétiens à puiser leur force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Ephésiens 6, 10. Alors, vous pouvez affronter le diable, lever la main et lui ordonner de s'arrêter net. Exercez votre autorité. Un jour, en Angleterre, le prédicateur Smith Wigglesworth attendait un bus à l'angle d'une rue. Il vit une dame sortir d'un immeuble, suivie d'un petit chien. Chérie, tu vas devoir rentrer, lui dit-elle. Le chien ne prêta aucune attention à ses instructions. Il réagit en rumouant la queue et en se frottant affectueusement contre sa maîtresse. Il te faut rentrer, car tu ne peux pas venir avec moi, insista-t-elle. Mais le petit chien rumoua la queue et se frotta de nouveau contre sa maîtresse. À ce moment-là, le bus arriva et la dame frappa du pied en criant Pars et le chien déguerpit sur le champ, tout penaud. Sans même réfléchir, Wigglesworth s'éclama à haute voix C'est ainsi qu'il faut traiter le diable Comme un lion rougissant. En 1942, alors que j'assurais le pastorat d'une église dans l'est du Texas, je menais un combat dans mon corps. Je soufflais mot à personne. J’en parlais seulement au Seigneur dans mes prières, tout en croyant qu'il me guérirait. Puis je t'ins ferme. La nuit des symptômes cardiaques alarmants me réveillaient et je me levais pour prier. Ce combat se poursuivit pendant six semaines environ. Un soir, j’eus la plus grande difficulté à m'endormir. Finalement, après avoir prié, le sommeil finit par me gagner et je fis un rêve. Je suis persuadé que Dieu ne m'a parlé que quatre fois par des rêves, mais un rêve comme celui-ci n'était pas une coïncidence. C'était le Seigneur qui me l'envoyait. Au réveil, je sus aussitôt ce qu'il signifiait. Si vous ne comprenez pas immédiatement la signification d'un rêve, oubliez-le. Dans mon rêve, j'avais l'impression de me promener avec un autre prédicateur sur une espèce de terrain de foot. Des gradins se dressaient de chaque côté du terrain. Nous marchions en bavardant. Soudain, mon compagnon sauta et s'exclama, Regarde! Je jetai un coup d'œil en arrière et aperçus deux lions farouches qui rugissaient. Mon compagnon se mit à courir. Moi aussi. Je partis en courant. Puis je m'arrêtai. Je lui ai dit que nous étions trop loin des gradins, de tout lieu sûr. Nous n'arriverions jamais à échapper aux lions. M'arrêtant net, je me retournais brusquement pour faire face aux lions. Les bêtes continuèrent à courir vers moi, tout gros dehors et rugissant. Tout en me tenant tremblant, je leur déclarai Je vous résiste au nom de Jésus. Au nom de Jésus, vous ne pouvez pas me nuire. Je refusai de bouger. Les lions continuèrent à courir vers moi, mais comme deux petits chatons. Ils reniflèrent autour de mes chevilles et finirent par s'en aller en gambadant, sans faire attention à moi. À cet instant, je me réveillai et sus exactement ce que Dieu était en train de me dire. Je me souvins du passage dans 1 Pierre 5 qui dit. Faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rougissant, qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui, en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères et sœurs, dispersés à travers le monde, connaissent les mêmes souffrances. 1 Pierre 5, 8, 9 Le combat physique que je menais fut gagné à ce moment-là. Les symptômes disparurent instantanément et j'allais bien. J'avais tenu bon, j'avais refusé de capituler, j'avais remporté la victoire. Ephésiens 6, 10 nous exhorte ainsi. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Nombreux sont ceux qui pensent que le Seigneur les exhorte à prendre leur force en eux-mêmes. Pourtant, le verset ne nous dit nullement de nous affermir nous-mêmes, mais de puiser notre force dans le Seigneur. Je ne sais pas si je vais pouvoir tenir ferme, disent certains. Mais bien sûr que si. N'en doutez même pas. Soyez forts dans le Seigneur, soyez forts dans sa grande puissance et non dans la vôtre. 1 Jean 4, verset 4 nous annonce que vous, mes enfants, vous êtes de Dieu et vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonge, car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. Celui qui inspire ce monde est Satan, le Dieu de ce monde et le chef des puissances, des autorités et des pouvoirs des ténèbres de ce monde. Mais la puissance en vous est plus grande que celle qui est dans le monde, car la puissance qui étaye notre autorité est supérieure à ce qui se tient derrière nos ennemis. Une prophétie. Le Saint-Esprit déclare que l'autorité sur la terre au nom de Jésus, acquise par sa victoire sur l'ennemi, appartient à l'Église. Exercez donc cette autorité, car elle vous appartient ici-bas sur terre, et vous régnerez dans ce monde en Jésus-Christ. Chapitre 3. Assis avec Christ. Matthieu 28, 18 est un autre exemple de l'emploi du mot pouvoir là où il s'agit plutôt d'autorité. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. On aurait dû traduire ainsi. J'ai reçu toute autorité dans le ciel et sur la terre. Élevé jusqu'aux cieux, Jésus délégua son autorité à l'Église. Elle est la tête de l'Église dont le corps est constitué des croyants. Son autorité doit se perpétuer sur terre par l'intermédiaire de son corps. Dans plusieurs épîtres, notamment dans Ephésiens, Paul se réfère au corps humain pour illustrer le corps de Christ. Jésus siège à la droite du Père, la place de l'autorité, et nous sommes assis avec lui. Si vous vous intéressez à l'histoire, vous savez que le fait d'être assis à la droite du roi ou du pape signifie que vous avez de l'autorité. Nous sommes morts avec Christ et ressuscités également avec lui. Il ne s'agit pas de quelque chose qui lui reste à faire. Il a d'ores et déjà accompli. L'œuvre divine la plus spectaculaire. Ephésiens 1, 18 à 23. Qu'il, Dieu, Illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelé, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint, et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force, en la faisant agir en Christ, lorsqu'il a ressuscité et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds, et Christ qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église qui est son corps, lui en qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. Notez tout particulièrement le verset 19. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployé dans toute sa force. Autrement dit, la résurrection de Jésus fut une telle manifestation exceptionnelle de la puissance de Dieu qu'elle fut effectivement l'œuvre divine la plus puissante jamais signalée. Satan et toutes ses cohortes s'opposèrent à la résurrection. Néanmoins, notre Seigneur Jésus-Christ désarçonna et vainquit toutes ses forces, car il ressuscita fut élevé au ciel et est assis actuellement à la droite du Père, bien au-dessus d'elle. Vous rappelez-vous, Colossiens 2, 15 Là, il, Christ, a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal, après sa victoire à la croix, par sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Il s'agit des mêmes puissances démoniaques auxquelles nous sommes confrontés, mais, gloire à Dieu, Jésus les vainquit. D'autres versions anglaises de la Bible disent que Jésus les anéantit ou les paralysa. Jadis, les rois victorieux qui ramenaient des captifs organisaient un défilé pour exhiber tous leurs prisonniers publiquement. C'est ce que fit Jésus, après avoir vaincu le diable, en l'exposant au regard des trois mondes les cieux, l'enfer et la terre. C'est ce que Dieu narra dans les Écritures pour nous faire savoir à nous, les habitants de la terre, ce qui se passa. Dieu veut que nous sachions ce qui se passa lors de la mort, de l'ensevelissement, de la résurrection et de l'intronisation de Jésus-Christ. Il désire que nous sachions qu'il a exalté Jésus bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité. Éphésiens 1, 21. La source de notre autorité. La source de notre autorité réside dans la résurrection et l'élévation de Christ par Dieu. Notez qu'au verset 18, le Saint-Esprit prie par l'intermédiaire de Paul afin que Dieu illumine l'intelligence ou l'esprit des Éphésiens concernant ces vérités. Il voulait que toutes les églises, tous les croyants, soient éclairés. Pourtant, la vérité de l'autorité du croyant échappe à beaucoup de chrétiens. Effectivement, la plupart des églises ne savent même pas que le croyant a de l'autorité. Vous ne comprendrez jamais l'autorité du croyant seulement par le biais de votre intellect. Vous devez recevoir une révélation spirituelle de cette réalité. Il faut y croire par la foi. Éphésiens 2, 1 à 7. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde, et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos mauvais désirs d'hommes livrés à eux-mêmes, et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous, par nature, voués à la colère de Dieu comme le reste des hommes. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Dans le premier verset, Paul fait allusion au fait que Dieu nous a fait revivre, nous qui étions morts à cause de nos fautes et de nos péchés. Le Saint-Esprit est en train de dire par l'intermédiaire de Paul, Dieu a déployé sa puissance dans toute sa force lorsqu'il a ressuscité Jésus d'entre les morts, en même temps qu'il vous a ressuscité, vous qui étiez tous morts. Car le même verbe employé dans Ephésiens 1.20 pour dépeindre la résurrection de Christ d'entre les morts est utilisée pour décrire celle de son peuple dans Ephésiens 2, 1. Autrement dit, l'action de Dieu qui ressuscita Christ d'entre les morts ramena également à la vie son corps. Dans la pensée de Dieu, quand Jésus a été ressuscité, nous l'avons été également. Au verset 5 et 6 du deuxième chapitre d'Éphésiens, nous lisons qu'alors que nous étions morts à cause de nos fautes, Dieu nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Ce passage fait allusion au transfert de l'autorité. De toute évidence, la tête, Christ, et le corps, l'Église, ont été ressuscités ensemble. De plus, l'autorité a été accordée non seulement à la tête, mais aussi au corps, puisque la tête et le corps ne font qu'un. Lorsque vous vous représentez l'image d'une personne, vous voyez à la fois sa tête et son corps, puisqu'ils ne constituent qu'une seule entité. Autant que je sache, les églises croient que nous avons été ressuscités avec Christ. Pourquoi ne croit-elle pas que Dieu nous a fait siéger avec lui Si une partie du verset est vraie, le verset entier est vrai. Si l'Église arrive jamais à percevoir que nous sommes le corps de Christ, nous nous lèverons et accomplirons ses œuvres. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne les avons réalisées que dans une certaine mesure. Quand nous comprendrons que l'autorité de Christ appartient également à chaque membre de son corps, et qu'elle est à notre disposition, notre vie sera transformée. 1 Corinthiens 12, versets 12 à 14, 27. Le corps humain forme un tout, et pourtant il a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis à Christ. Nous sommes Christ, il appelle le corps, c'est-à-dire l'Église, Christ. En effet, nous avons tous été baptisés dans un seul et même esprit pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou non-juifs, esclaves ou hommes libres. C'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Or, vous, vous êtes le corps de Christ, et chacun de vous en particulier en est un membre. Gloire à Dieu que nous sommes le corps de Christ. 2 Corinthiens 6, versets 14 et 15. Ne vous mettez pas avec les incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. En effet, ce qui est juste peut-il s'unir à ce qui s'oppose à sa loi La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres Christ peut-il s'accorder avec le diable Que peut avoir en commun le croyant avec l'incroyant Le croyant est qualifié de juste et le non-croyant de ce qui s'oppose à la loi divine. Le croyant est lumière et le non-croyant ténèbre. Celui qui croit est appelé Christ et celui qui ne croit pas le diable. Assis avec Christ. Selon 1 Corinthiens 6, 17, celui qui s'unit au Seigneur devient lui un seul esprit avec lui. Nous sommes un avec Christ. Nous sommes Christ. Nous sommes assis à la droite de Sa Majesté en haut. Toutes choses sont sous nos pieds. Notre grand problème, c'est que nous avons prêché la religion de la croix et que nous avons besoin de prêcher celle du trône. C'est-à-dire que les chrétiens ont supposé devoir en rester là, à la croix. Après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, certains sont retournés à la croix, et ils sont toujours. Certains chants ne se concentrent que sur la croix. Certes, nous devons passer par la croix pour être sauvés, mais ne restons pas là. Continuons à monter jusqu'à la Pentecôte à l'ascension et au trône. En fait, la croix est un lieu de défaite tandis que la résurrection est celui de la victoire. Quand vous prêchez la croix, vous prêchez la mort et vous laissez les gens dans la mort. Oui, nous sommes morts, mais nous sommes ressuscités avec Christ. Nous sommes assis avec lui. Voilà notre position actuelle. Assis avec Christ, dans la position d'autorité, dans les lieux célestes. Beaucoup de chrétiens ne connaissent rien à l'autorité du croyant. Ils ne croient pas vraiment qu'ils ont de l'autorité. À leur avis, ils sont à peine sauvés et sont obligés de mener une vie dominée par le diable. En joignant à peine les deux bouts, ils glorifient le diable plus que Dieu. Nous devons être délivrés de l'esclavage de la mort et marcher en nouveauté de vie. La croix n'est pas notre demeure. Nous sommes morts avec Christ, mais il nous a ressuscités avec lui. Gloire à Dieu. Apprenez à prendre votre place d'autorité. La droite du trône de Dieu est le centre du pouvoir de l'univers entier. L'exercice du pouvoir du trône a été confié au Seigneur ressuscité. Nous savons que Christ, avec son corps physique ressuscité, se tient là. En pleine possession de ses droits, attendant le moment décrété par le Père où ses ennemis deviendront son marche-pied. Hébreu 1, verset 13 affirme Or, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit Viens siéger à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis sous tes pieds L'élévation de son peuple avec lui dans les lieux célestes, laisse clairement à penser que nous sommes appelés à siéger avec Christ et à partager non seulement son trône, mais aussi son autorité. Cette autorité nous appartient. Il n'est pas étonnant que Paul ait précisé aux Romains, si, par la faute commise par un seul homme, la mort spirituelle a régné à cause de ce seul homme, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, quel don de la justification régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul Romains 5, 17. Plusieurs versions de la Bible, y compris la Bible amplifiée, l'expriment ainsi Règneront-ils comme des rois dans la vie Ne régnerons-nous que quand nous arriverons au ciel Non. Nous sommes censés régner par Jésus-Christ au cours de notre vie. C'est cela l'autorité, n'est-ce pas Ce que proclamait un roi était la loi. Il avait l'autorité finale. Nous partageons l'autorité que le trône de Christ représente. Certains d'entre nous ont exercé un peu plus d'autorité sur la puissance de l'air que d'autres, parce qu'ils ont acquis un peu plus de compréhension spirituelle. Mais Dieu veut que nous ayons tous cette révélation spirituelle. Maintenir l'équilibre. Paul pria, sous l'inspiration du Saint-Esprit, pour que nous ayons tous sagesse, compréhension et autorité sur les puissances de l'air et les problèmes que celle-ci crée en manipulant constamment les pensées des êtres humains. Rester équilibré semble être la tâche la plus difficile pour l'Église. N'importe quel sujet, y compris l'autorité du croyant, poussé à l'extrême devient nocif et n'est plus une bénédiction. Celui qu'on a appelé le Père divin a été, à un moment donné, sauvé et rempli du Saint-Esprit. Il connaissait des expériences authentiques, mais il a commencé à étudier les écritures que nous venons d'examiner et il a raisonné ainsi. Si nous sommes Christ, je suis Christ. Christ est Dieu. Alors je suis Dieu. Il a fondé une secte très populaire et ses adeptes l'adoraient. Il est facile de tomber dans l'un ou l'autre des fossés de chaque côté de la route, dans l'excès, le délire et le fanatisme. Marchons au milieu de la route et gardons l'équilibre. John Alexander Dewey un Écossais qui reçut une révélation sur la guérison divine pendant qu'il exerçait son ministère en Australie avant le début du XXe siècle traversa l'océan plusieurs fois au cours de sa vie. Très souvent, la mer était mauvaise, mais chaque fois qu'une tempête s'élevait, il prenait exemple sur Jésus. Il menaçait la tempête qui se calmait aussitôt. Ne soyons pas surpris, puisque Jésus a annoncé celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Jean 14, 12. On pourrait se demander quelles sont les œuvres plus grandes? Mais faisons d'abord les œuvres de Jésus et réfléchissons ensuite aux œuvres plus grandes. Jésus n'a pas dit que seuls quelques élus feraient ses œuvres. Il a parlé de tous ceux qui croirait en lui. À mon avis, plus nous étudierons l'enseignement de la parole de Dieu et formerons nos esprits à propos de l'autorité du croyant, plus nous serons aptes à marcher dans cette réalité exceptionnelle. Chapitre 4 Briser le pouvoir du diable Dans Ephésiens 6, 12, nous apprenons que « Nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang » Mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. La parole de Dieu nous enseigne que ces esprits maléfiques sont des anges déchus, détrônés par le Seigneur Jésus-Christ. Dans tous nos contacts avec ces démons, n'oublions pas que Jésus les a vaincus, les a destitués et les a anéantis. Colossiens 2.15. Puisque Jésus les a détrônés, nous pouvons régner sur eux. La trahison d'Adam. Au commencement, Dieu créa la terre dans toute sa plénitude et confia à Adam la domination sur toutes ses œuvres. Ainsi, Adam fut, pour ainsi dire, le Dieu de ce monde. Pourtant, par son acte de haute trahison, Adam céda sa place au diable, qui devint ainsi le Dieu de ce monde. Adam n'avait pas le droit moral de le faire, bien que disposant du droit légal de le faire. Le diable a donc le droit de rester en tant que Dieu de ce monde jusqu'à l'expiration du bail d'Adam. Satan avait le droit de nous dominer jusqu'à ce que nous devenions de nouvelles créatures et que nous intégrions le corps de Christ, comme nous l'explique Colossiens 1. 12 et 13. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père, car il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est pourquoi le diable n'a aucun droit de nous diriger ou de nous dominer. Et pourtant, généralement, les chrétiens ont plus de foi dans l'autorité et la puissance de l'ennemi que dans celle de Dieu. La Bible parle non seulement du premier Adam, mais aussi du deuxième Adam, Jésus-Christ, qui devint notre remplaçant. Dans 1 Corinthiens 15, 45, il est appelé le dernier Adam, et au verset 47, le second homme. Tout ce que fit Jésus était dans notre intérêt. La difficulté est que nous renvoyons tout dans l'avenir. La plupart des chrétiens croient que nous n'exercerons notre autorité spirituelle qu'à un moment donné dans le millénaire. Si cela est le cas, pourquoi la parole de Dieu dit-elle que Satan sera lié durant le millénaire Nous n'aurons plus besoin alors d'exercer notre autorité, car il n'y aura plus rien qui puisse nuire ou détruire. Nous avons autorité maintenant. C'est maintenant, au moment où nous sommes confrontés à ce qui nuit et détruit, que nous avons autorité. Mais beaucoup de personnes croient que nous possédons très peu à l'heure actuelle. Elles estiment que c'est le diable qui règne sur tout ici-bas. Rappelons-nous, cependant, que nous sommes dans le monde, mais pas de ce monde. Satan mène la danse concernant beaucoup de ce qui se passe sur Terre, mais il ne me contrôle pas. Il ne gère pas l'Église. Nous ne lui sommes pas assujettis. Nous pouvons le dominer car nous avons autorité sur lui. Jésus dit dans Luc 10, 19, ⁇ Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien, 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 rien ne puisse vous faire du mal. ⁇ L'Église actuelle a-t-elle moins d'autorité que l'Église primitive juste après la mort de Jésus, son ensevelissement, sa résurrection, son ascension et son intronisation à la droite du Père Si elle a moins d'autorité de nos jours, il aurait été mieux pour Jésus de ne pas avoir à mourir. Mais non, gloire à Dieu, nous détenons l'autorité. Nous devons intégrer ces vérités à notre vie en les méditant et en nous en nourrissant jusqu'à ce qu'elle fasse partie de nous. Sur le plan naturel, nous avons l'habitude de prendre certains aliments tous les jours, car les médecins nous disent que, pour être fort, le corps a besoin de certains minéraux, vitamines, etc. Il y a également des vitamines et des minéraux spirituels à prendre quotidiennement, pour être en forme spirituellement. Jésus déclara en Matthieu 28, 18, J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Toute l'autorité qu'il est possible d'exercer sur la terre doit être exercée par l'Église, puisque Jésus n'est plus là en personne, dans son corps physique. Nous sommes le corps de Christ. Même si nous prions, Seigneur, fais ceci, fais cela, en le chargeant de tout, il a confié son autorité sur terre à son corps, l'Église. C'est nous qui permettons à un grand nombre de problèmes d'exister en ne faisant rien pour les résoudre. Nous sommes censés passer à l'action, mais nous essayons d'inciter quelqu'un d'autre, y compris le Seigneur, à s'en occuper. Il y a plusieurs années, j'étudiais cet aspect de la foi chrétienne et cela devint réalité dans ma vie. Je n'arrivais pas à l'expliquer de manière rationnelle, mais je le reconnaissais dans mon esprit j'entrevis l'autorité qui nous appartient pendant que je priais pour le salut de mon frère aîné j'entendis dans mon esprit le seigneur me lancer un défi occupe toi j'avais passé des années à prier pour le salut de mon frère qui était en quelque sorte la brebis galeuse de la famille malgré toutes mes prières son cas semblait plutôt empirer j'avais toujours prié ô seigneur Sauve-le! J'avais même jeûné. J'étais enclin à basculer dans ce genre de prière jusqu'au jour où le Seigneur me mit au défi. Il m'avait révélé que j'avais de l'autorité. Alors, je déclarais, Au nom de Jésus, je brise le pouvoir du diable sur la vie de mon frère et je revendique son salut. J'avais donné un ordre. Je ne continuais pas à le répéter ou à prier à ce sujet. Lorsqu'un roi donne un ordre, il sait que celui-ci sera exécuté. Le diable voulait me faire croire que jamais mon frère ne serait sauvé, mais je fermais mon esprit à ses paroles et me moquais de lui. Je ne pense pas qu'il sera sauvé, je le sais. Je me suis emparé du nom de Jésus et j'ai brisé ta puissance sur mon frère en revendiquant sa délivrance et son salut. Je suis parti en sifflant. Moins de dix jours plus tard, mon frère était sauvé. La parole est efficace. Comment affronter le diable Tant que le diable réussit à vous piéger par l'incrédulité ou à vous enfermer dans votre raisonnement, il remportera chaque combat. Mais si vous persévérez dans la dimension de la foi et de l'esprit, vous triompherez toujours de lui. Il ne se disputera pas avec vous au sujet du nom de Jésus, car il a peur de ce nom. J'ai découvert que c'est en exigeant ce qui me revient de droit que je prie le plus efficacement. Je prie ainsi. Je revendique mes droits. À la belle porte, Pierre ne pria pas pour l'homme paralysé. Il exigea qu'il soit guéri. Acte 3, verset 6. En revendiquant vos droits, vous exigez quelque chose du diable et non de Dieu. Dans Jean 14, 13, 14, Jésus affirma, Quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il ne faisait pas référence à la prière. Le verbe grec signifie exiger et non demander. En revanche, Jean 16, 23, 24 traite de la prière. Quand ce jour viendra, vous ne me poserez plus aucune question. Oui, vraiment, je vous l'assure. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit complète. Jésus mentionne le Père ici dans le contexte de la prière, mais il ne le mentionne pas dans le passage que je viens de citer dans Jean XIV. La version originale grecque dit effectivement, Quoi que ce soit que vous revendiquiez comme droit et privilège, d'où la nécessité d'apprendre de quel droit vous disposez. Il y a de nombreuses années, quand j'assurais le pastorat d'une petite église au Texas, une dame amena au presbytère sa sœur véritablement démente, pour que nous prions pour elle. Comme cette dernière avait essayé de se tuer et de tuer d'autres personnes, elle avait été enfermée dans une cellule capitonnée pendant deux ans. Cependant, étant donné que sa santé s'était détériorée, les médecins avaient recommandé que sa famille l'accueille chez elle, car elle n'était plus considérée dangereuse. Dès que sa sœur me présenta comme prédicateur, la sœur folle commença à débiter des passages entiers des écritures. Elle pensait avoir commis le péché impardonnable. Le Seigneur me demanda de m'approcher d'elle en ordonnant, Sors d'elle, esprit impur, au nom de Jésus! Je le fis, sans résultat apparent. Elle resta figée comme une statue. Mais je savais que j'avais proclamé la parole de la foi. Vous n'êtes pas obligé de rester là toute la journée à ordonner aux démons de sortir. Ils vont obéir à vos ordres. Si vous savez que vous avez de l'autorité, ils doivent sortir dès que le commandement est prononcé par la foi. Cependant, deux jours plus tard, on m'informa que cette femme subissait une attaque violente semblable à celle qu'elle avait eue en perdant la raison pour la première fois. Je ne me laissais pas impressionner par cette nouvelle. Selon la Bible, dans des cas similaires, lorsque Jésus chassait le diable, les opprimés tombaient par terre et Satan les faisait entrer en convulsion. Je savais que le diable s'en prenait à cette femme avant de partir une fois pour toutes. Je savais qu'elle n'aurait plus de crise. En effet, c'est ce qui advint. Les médecins la déclarèrent bien portante et la renvoyèrent chez elle définitivement. Vingt ans plus tard, elle était joyeuse. En bonne santé, elle enseignait l'école du dimanche et travaillait en entreprise. Le rôle de la foi dans l'exercice de l'autorité. Nous avons besoin de foi pour exercer notre autorité spirituelle. Oui, il existe des occasions où les esprits malins sortent immédiatement. Mais s'ils ne partent pas dès que vous proclamez la parole de la foi, ne vous inquiétez pas. Ma foi se base sur ce qu'énonce la parole. Certains individus ne basent pas leur foi sur la Bible, mais sur des manifestations. Ils dépendent de leur sens plutôt que de la foi. S'ils voient certaines manifestations, ils pensent que le diable est parti. Mais il n'est pas parti simplement parce que vous voyez une manifestation. Il est toujours là et vous devez le savoir et exercer votre autorité. Si les circonstances ne changent pas instantanément, certains se découragent et replongent dans ce qui est naturel. Ils se mettent à exprimer leur incrédulité et se vouent à l'échec en permettant au diable de les assujettir. Comme le disait souvent Smith Wigglesworth, je ne suis pas impressionné par ce que je vois, je ne suis pas impressionné par ce que je ressens, je ne suis impressionné que par ce que je crois. Alors, tenez ferme. Avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit, j'étais le jeune pasteur d'une église baptiste, à l'époque de la grande crise économique des années 1930, et je devais subvenir aux besoins de ma mère et de mon petit frère. Le peu que gagnait ma mère réglait le gaz, l'électricité, les impôts et les assurances, et mon salaire payait la nourriture. À l'époque, je possédais un seul costume et un pantalon supplémentaire. Le vol est une pratique courante pendant le marasme et un lundi, on me déroba mes deux pantalons. Comme je devais prêcher le jeudi suivant, je fis la prière suivante le mardi en partant de mon travail. Seigneur, tout ce qui me reste, c'est un vieux bleu que je ne peux porter pour annoncer la parole. C'est un vieux pantalon que je garde pour travailler. Je dis au Seigneur qu'au plus tard, le jeudi, je comptais revoir mes pantalons suspendus au même endroit. Je lui demandais de faire en sorte que la personne qui les avait pris soit malheureuse au point de se sentir poussée à me les restituer. Car c'est un mauvais esprit qui incite les gens à voler. J'avais donc affaire, dans la prière, à l'esprit et non à la personne. Comme nous avons autorité sur les mauvais esprits, J'ordonnais à l'esprit de cesser d'arrêter cette affaire. J'étais convaincu que ces pantalons seraient de retour le jeudi après-midi. En rentrant chez moi, je vis qu'ils y étaient. De toute évidence, nous pouvons et même nous devons nous révolter contre le diable. Chapitre 5. L'exercice de notre autorité. L'accès à l'exercice de notre autorité repose sur deux révélations énoncées par Paul lorsqu'il priait pour les Éphésiens. Dieu l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Éphésiens 1:20. Et Dieu nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Éphésiens 2:6. Méditez ces deux prières et apprenez à les faire pour vous » Nourrissez-vous de leur vérité jusqu'à ce que leur signification profonde pénètre votre cœur. Alors, elles prévaudront dans votre vie, mais n'essayez pas de les assimiler intellectuellement, votre esprit doit en recevoir la révélation. Remarquez que non seulement Christ est assis à la droite du Père, bien au-dessus des puissances du royaume du diable, mais aussi que nous y sommes, parce que Dieu nous a fait siéger dans le monde céleste. Non seulement Dieu nous a fait asseoir, mais notez bien aussi où il nous a fait asseoir, bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté. Ephésiens 1, 21. Dans la pensée de Dieu, nous avons été ressuscités en même temps que Jésus. Quand celui-ci s'est assis, nous aussi, nous nous sommes assis. C'est notre position actuelle. Nous sommes assis à la droite du Père avec Christ. Le fait que Jésus est assis indique, pour le moment du moins, que certains aspects de son œuvre sont en suspens. Toute l'autorité qui a été attribuée à Christ nous appartient en lui et nous pouvons l'exercer. Nous l'aidons à exécuter son mandat sur terre, y compris cet aspect dont parle la parole de vaincre le diable. En fait, Christ ne peut pas accomplir sa mission sur terre sans nous. On pourrait argumenter Eh bien, Jésus se débrouille très bien sans moi, mais j'ai vraiment besoin de lui. Mais non, il ne peut pas réussir sans vous, pas plus que vous sans lui. Car dans le livre des Éphésiens, Paul explique que Christ est la tête et que nous sommes le corps. Et si votre corps disait Je peux très bien me débrouiller sans ma tête je n'ai pas besoin de ma tête Non, votre corps ne peut pas se passer de sa tête. Et si votre tête disait ⁇ Je peux très bien me débrouiller sans mon corps Je n'en ai pas besoin. Je peux me passer de mes mains et de mes pieds Pas du tout. De même, Christ ne peut pas se passer de nous, car l'œuvre de Christ et de Dieu est exécutée par le corps de Christ. Sa mission ne sera jamais accomplie sans nous et nous ne pouvons jamais réussir sans lui. Ephésiens 6.12 affirme que nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités. Si vous sortez ce verset de son contexte pour ne parler que du combat acharné que vous livrez contre le diable, en soulignant la puissance de ce dernier, vous manquez tout l'intérêt de ce que Paul est en train de dire en Ephésiens. Rappelez-vous que quand Paul a rédigé cette lettre destinée à l'église d'Éphèse, il ne l'a pas séparée en chapitres et en versets. Les érudits l'ont divisée bien plus tard pour nous aider à nous référer aux différentes sections. Parfois, on peut créer énormément de problèmes en sortant un verset de son chapitre et de son contexte, et en lui faisant dire ce qu'il ne dit pas. Par l'intermédiaire de Paul, le Saint-Esprit avait déjà dit dans le deuxième chapitre que nous sommes assis au-dessus des puissances que nous devons affronter. Non seulement Christ est assis à la droite du Père, bien au-dessus de toutes ses puissances, mais nous y sommes également parce que Dieu nous a fait siéger avec Christ. Par conséquent, dans notre combat contre l'ennemi et ses forces, nous devons nous souvenir du fait que nous sommes au-dessus d'eux et que nous avons autorité sur eux. La parole affirme que Jésus les a vaincus. Il nous incombe de faire valoir sa victoire. Sa victoire nous appartient, mais nous devons la concrétiser. Le démon que Jésus refusa de chasser. En 1952, le Seigneur Jésus-Christ m'apparut dans une vision et, pendant environ une heure et demie, me parla du diable, des démons et de la possession démoniaque. À la fin de cette vision, j'aperçus un mauvais esprit, ressemblant à un petit singe ou à un elfe, qui courait entre Jésus et moi et déployait une sorte d'écran de fumée, noir ou de nuages noirs. Puis ce démon se mit à sauter et à crier d'une voix aiguë, « Yakiti, yak Yakiti, yak Yakiti, yak !» Je n'arrivais plus à voir ou à comprendre ce que Jésus disait. Pendant toute cette expérience, Jésus m'enseignait quelque chose. Et si vous prêtez attention, vous allez découvrir maintenant la réponse à beaucoup de questions qui vous ont rendu perplexe. Je ne comprenais pas pourquoi Jésus permettait au démon de faire un tel vacarme. Je me demandais pourquoi Jésus ne réprimandait pas le démon afin que je puisse entendre ses propos. J'ai patienté pendant quelques instants, mais Jésus n'a rien fait pour contrecarrer le démon. Jésus parlait sans que je comprenne un mot, et pourtant, j'avais fort besoin de comprendre, puisqu'il me donnait des instructions au sujet du diable, des démons, et de la manière d'exercer mon autorité. Je me dis, le Seigneur ne sait-il pas que je ne tends pas ce qu'il veut me transmettre J'ai besoin de l'entendre. Je passe à côté de ce qu'il me faut. Je frôlais la panique. Désespéré, je m'exclamai Je te l'ordonne, esprit impur, tais-toi, es au nom de Jésus Instantanément, le petit démon tomba par terre comme un poids mort, et le nuage noir se dissipa. Le démon se conduisait comme un chien battu. Il tremblait, geignait et pleurnichait en détournant ses yeux de moi. Puis, je lui ordonnais non seulement tu dois te taire, mais aussi sortir de là au nom de Jésus. Il se sauva en courant. Le Seigneur savait exactement que je pensais. Pourquoi n'a-t-il rien fait Pourquoi a-t-il permis ce comportement de la part du démon Jésus me dévisagea et répondit. Si tu n'avais pas agi, je n'aurais pas pu le faire. J'étais sidéré, choqué. Je répliquai, Seigneur, je sais que j'ai mal entendu ce que tu as dit. C'est que tu ne l'aurais pas fait, n'est-ce pas Non, si tu n'avais pas réagi, je n'aurais pas pu intervenir. Nous en avons discuté quatre fois, mais il était formel sur ce point. Non, je n'ai pas dit que je n'aurais pas voulu, j'ai dit que j'en aurais été incapable. Mais Seigneur, ce n'est pas possible! Jamais je n'ai entendu ni prêché une chose pareille dans ma vie. Je déclarai au Seigneur que le nombre de fois où je le voyais dans des visions m'importait peu. Il devait me prouver ce qu'il venait de dire par au moins trois passages du Nouveau Testament, puisque nous ne vivons plus sous l'ancienne alliance, mais sous la nouvelle. Souriant gentiment, le Seigneur me répondit qu'il m'en donnerait quatre. Mais, Seigneur, j'ai lu le Nouveau Testament 150 fois et certains passages bien plus de fois. Je n'ai jamais lu une chose pareille là-dedans. Venir à bout du diable. Jésus répliqua, Mon fils, il y a beaucoup de choses dans la Bible que tu ignores encore. Il poursuivit, Pas une seule fois dans le Nouveau Testament il n'a été dit à l'Église de prier Dieu le Père ou Jésus pour qu'ils interviennent contre le diable. En fait, une telle prière est une perte de temps. Il incombe aux croyants de s'occuper du diable, puisqu'il a l'autorité de le faire. L'Église n'est pas censée prier Dieu le Père au sujet du diable, mais elle est censée exercer l'autorité qui lui appartient. Le Nouveau Testament enseigne aux croyants eux-mêmes de passer à l'action contre le diable. Le plus insignifiant membre du corps de Christ a autant d'autorité sur le diable que n'importe quel autre chrétien. Si les croyants n'interviennent pas contre le diable, rien ne sera fait dans beaucoup de domaines. Nous croyons que certains individus sont puissants, mais non. Selon Jésus, le plus insignifiant membre du corps de Christ a autant d'autorité sur le diable que tout autre chrétien. À partir du moment où où nous y croyons vraiment, nous accomplirons l'œuvre de Dieu. Jésus poursuivit, J'ai fait tout ce que j'ai l'intention de faire contre le diable, avant l'heure où l'ange descendra des cieux pour l'enchaîner, le lier et l'enfermer dans l'abîme. Apocalypse 20, 1 à 3. J'étais abasourdi. Maintenant, je te donnerai les quatre passages qui prouvent ce que je viens de dire. Tout d'abord, lors de ma résurrection d'entre les morts, j'ai dit, J'ai reçu tout pouvoir, toute autorité, dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28, 18. Ce mot pouvoir signifie autorité, mais j'ai tout de suite délégué mon autorité sur terre à l'Église. Alors, je ne peux agir que par l'intermédiaire de l'Église, puisque je suis la tête de l'Église. Votre tête ne peut exercer son autorité qu'à travers votre corps. Jésus m'a donné un deuxième passage. Marc 16, 15, 18. Marc 16, 15, 18. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à tous les hommes. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents venimeux, ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades, et ceux-ci seront guéris. Jésus poursuivit. Parmi les signes qui accompagnent les croyants, le premier est celui de chasser des démons. C'est le signe qui accompagne n'importe quel croyant, pas n'importe quel pasteur ou évangéliste. C'est-à-dire qu'en mon nom, chaque croyant exercera autorité sur le diable, car j'ai délégué à l'Église mon autorité sur le diable. Rappelez-vous que Colossiens 1, 13 affirme que Dieu nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Encore une fois, dans le texte en grec, il s'agit d'autorité plutôt que de pouvoir. Le verset devrait être traduit comme suit. Le Père nous a affranchis de l'autorité des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Dieu nous a déjà délivrés de l'autorité des ténèbres. Par conséquent, nous avons le droit de nous adresser aux ténèbres, c'est-à-dire à Satan et à son royaume, et leur dire quoi faire. L'exercice de notre autorité sur les autres. Les croyants ont autorité sur le diable. Ils peuvent briser le pouvoir de l'ennemi s'ils pointent son nez dans leur propre vie ou dans celle de leur famille proche ou de leur bien-aimé. Ils ont autorité dans ces domaines. Ils seront délivrés de l'ennemi parce qu'ils ont le droit d'exercer leur autorité sur lui. Cela ne veut pas dire, pourtant, qu'ils vont descendre la rue en chassant le diable de tous ceux qu'ils croisent. Principalement, ils exercent leur autorité sur le diable dans leur propre vie. Vous devez prendre conscience du fait que vous disposez d'une autorité sur votre famille, mais vous ne l'avez pas dans la mienne. L'autorité spirituelle ressemble beaucoup à l'autorité naturelle. Par exemple, vous n'avez pas autorité sur mon argent. Vous ne pouvez pas me dire ce que je dois faire de mon argent à moins que je ne vous le permette. Vous n'avez pas d'autorité sur mes enfants. Vous pouvez obliger le diable à renoncer à certaines de ses manœuvres dans la vie de quelqu'un d'autre, mais vous ne pouvez pas toujours le chasser parce que vous n'avez pas autorité dans cette famille. C'est dans ce domaine que nous nous sommes trompés. Le passage que me donna ensuite Jésus fut Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Le croyant a obligatoirement autorité sur le diable, sinon la Bible ne lui dirait pas de s'occuper du diable. Ce verset n'affirme pas que le diable fuira loin de Jésus, mais loin de vous. De même, ne priez pas pour que Jésus impose les mains aux malades. Faites-le vous-même. Remarquez également que les mains sont des membres du corps. Elles ne sont pas attachées à la tête. Ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. Quand vous imposez les mains aux malades, vous exercez votre autorité sur le diable. Cette autorité vous appartient, que vous ayez l'impression de l'avoir ou non. L'autorité n'a rien à voir avec ce que vous ressentez, mais vous devez l'exercer. Après cette vision, et après avoir reçu de Jésus ce verset de la lettre de Jacques, mon esprit me dit que le verbe fuir avait une signification particulière. En consultant le dictionnaire, je découvris qu'une des connotations de ce verbe était ⁇ Se sauver comme pris de terreur ⁇ Le diable déguerpira terrorisé ⁇ Cette découverte m'aida à comprendre pourquoi, dans ma vision, le démon avait commencé à geindre et à pleurnicher. Il était terrifié. Depuis lors, j'ai vu d'autres démons frémir et trembler de peur pendant que j'exerçais mon autorité divine sur eux. Ils n'avaient pas peur de moi, mais de Jésus, celui que je représente. Dans la vision, Jésus me donna un autre verset qui nous incite à passer à l'action contre le diable. Ce troisième passage se trouve dans 1 Pierre 5.8. Faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous. Comme un lion rougissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Votre adversaire est celui qui s'oppose à vous. Beaucoup de gens ne lisent que jusque-là et s'écrient Oh là là, le diable est après moi. Ils demandent qu'on prie pour eux afin que le diable ne les attaque plus. S'ils parlent ainsi, le diable les a déjà battus. Il est donc trop tard pour demander des prières. Que faire alors Abandonner la partie et nous laisser faire Faire l'autruche en espérant que le diable disparaîtra Mais non. Gloire à Dieu, si nous poursuivons notre lecture, le verset qui suit nous montre quoi faire. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères et sœurs dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances ou les mêmes épreuves et soucis. Dans cette vision, Jésus m'expliqua, Pierre n'a pas écrit cette lettre pour dire aux croyants, j'ai entendu dire que Dieu se sert de notre cher frère Paul pour chasser les démons, qu'il envoie des mouchoirs ou des linges et qu'ainsi les maladies et les esprits maléfiques quittent les gens. Alors, je vous suggère de lui écrire pour lui demander un linge. Au contraire, Pierre leur dit de passer à l'action pour contrecarrer le diable. Pourquoi Parce qu'ils avaient autorité sur lui. L'apôtre Pierre ne vous dirait pas, sous l'inspiration du Saint-Esprit, de faire ce qui vous serait impossible. Vous pouvez agir parce que chaque croyant a la même autorité que celle dont disposait Paul en Jésus-Christ. Pierre ne déclare pas que Paul seul pouvait chasser les démons, ni que Paul résisterait au diable à notre place. Pourquoi demander à Paul de le faire quand vous pouvez le faire vous-même Soutenir les bébés en Christ. Les gens me demandent tout le temps pourquoi ils ne se rétablissent pas. Certains imaginent que c'est la faute du prédicateur qui a prié pour eux. Je leur explique que, quand ils furent sauvés, ils étaient comme des bébés, et Dieu permet que d'autres prient pour eux et les soutiennent par leur foi. Mais, après un certain temps, Dieu s'attend à ce que ce bébé grandisse, marche, et commence à faire des choses pour lui-même. Dieu met le bébé par terre et lui dit de marcher. Mais beaucoup de ces petits ne veulent pas. Nombreux sont ceux qui préfèrent rester au stade de la première enfance et bénéficier tout le temps des prières d'autrui. Nous voulons bien aider ceux qui ne savent pas prendre soin d'eux-mêmes, mais nous devons former les gens pour qu'ils puissent grandir et exercer leur propre autorité, car le moment viendra où ils seront obligés d'exercer leur propre autorité pour être exaucés. Lors d'un congrès, nous logions, ma femme et moi, chez un couple dont la femme avait été membre de notre Église avant de se marier. Le couple nous demanda de prier pour leur bébé, qui n'avait que quelques mois et qui était atteint d'une hernie. Les chirurgiens voulaient l'opérer. Nous maudîmes la hernie, en exigeant qu'elle s'atrophie et meure. En l'espace de quelques jours, cette hernie avait complètement disparu et le bébé ne dut pas être opéré. La femme me dit Frère Eguine, je ne veux pas critiquer les autres, mais dans notre église, il semble que ce ne soit que les jeunes comme nous qui avons la foi pour la guérison. Avant votre arrivée, je ne savais qui inviter à prier pour notre petit, car personne ne guérit jamais ici. Il semble logique qu'avec l'âge, nous ayons plus de foi pour la guérison, mais, trop souvent, ce n'est pas le cas. Dans l'église de cette femme, comme dans de nombreuses autres, la plupart des gens avaient été sauvés quand ils étaient plus jeunes. Au début de leur vie chrétienne, Dieu permettait que d'autres prient pour eux. Mais à cause d'un manque de bons enseignements, ils sont restés à ce stade de la petite enfance du développement chrétien. Ils affirment qu'ils guérissaient au début de leur marche avec Dieu, mais plus maintenant. Ne jamais exercer votre propre foi ou ne jamais prier parce que vous dépendez des prières des autres serait tout aussi insensé que de n'avoir jamais de vêtements personnels et de toujours porter les vêtements des autres. Que se passe-t-il dans la vie de ceux qui n'exercent jamais leur propre foi, mais qui comptent toujours sur la foi d'autrui Nous avons lu que votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, qui cherche quelqu'un à dévorer. Mais le croyant peut l'empêcher. Jésus, Jacques et Pierre nous exhortent à réagir face au diable. Paul dit dans Éphésiens 4, 27 ne donnez aucune prise au diable. Voici le quatrième verset que Jésus me donna, en m'expliquant c'est-à-dire que tu ne dois donner aucune place en toi au diable. Il ne peut s'immiscer dans ta vie à moins que tu ne lui permettes de le faire. Tu dois avoir autorité sur lui, sinon ceci ne serait pas vrai. Autorité sur terre. Jésus ajouta, Voici tes quatre témoignages. Le mien est ceux de Jacques, de Pierre et de Paul. Ils établissent que le croyant détient une autorité sur terre car je t'ai délégué mon autorité sur le diable sur la terre. Si tu n'agis pas en conséquence, rien ne sera fait. C'est pourquoi, très souvent, rien n'est fait. Vous comprenez maintenant pourquoi certaines choses se sont produites. Nous leur avons permis d'arriver. N'ayant pas conscience de notre autorité, de ce que nous pouvions faire, nous n'avons rien fait et avons carrément permis au diable de continuer à faire ce que bon lui semblait. Nous devons nous en rendre compte. Réveillons-nous. Il se peut que nous ayons besoin de changer notre façon de prier et de nous mettre à pourchasser le diable. C'est ce que j'ai fait. Cela ne vous fera pas de mal de changer. Cela vous fera du bien. Nous avons l'autorité requise. Nous sommes assis dans les lieux célestes, à la droite du Père, bien au-dessus des puissances et des pouvoirs des ténèbres. Si nous sommes bien au-dessus, nous avons donc autorité sur eux. Ephésiens 1, 22-23 précise que Dieu a tout placé sous ses pieds et Christ qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église qui est son corps. Les pieds sont des membres du corps. Ils ne sont pas attachés à la tête. Lui en qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. John A. Macmillan a souligné combien il est merveilleux de savoir que les moindres membres du corps du Seigneur, ceux qui ne sont que les plantes de pied, le petit orteil ou son ongle, sont situés bien au-dessus de ces grandes sources de pouvoir satanique dont nous discutons. Rappelez-vous que dans Luc 10, verset 19, Jésus dit aux 70 disciples qu'il avait envoyés en mission, ⁇ Je vous ai donné le pouvoir ⁇ l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, et d'écraser toutes les forces de l'ennemi, sans que rien ne puisse vous faire du mal. Combien d'autorité sur le diable l'Église a-t-elle Moins que cela Pas du tout. Gloire à Dieu. Pourtant, si vous écoutez le chrétien moyen ou certains prédicateurs, vous avez l'impression que le diable est plus fort que tout le monde, et que c'est lui qui dirige tout. Oui, il est le Dieu de ce monde. Il dirige donc le système du monde. Mais, selon la Bible, nous sommes dans ce monde, mais pas de ce monde. Alors, il ne nous contrôle pas. Cela fait trop longtemps que le diable nous piétine. Ce n'est pas un sujet de plaisanterie. Nous sommes insensés si nous prenons à la légère ces réalités. Lors d'une conférence, un prédicateur m'annonça Eh bien, frère Eguine, quand il est question du diable, quelqu'un fuit. Le problème, c'est que c'est moi qui fuis et lui qui me poursuit. Quelle ignorance de s'exprimer ainsi! Déjà, il est incongru de fuir devant le diable. La Bible précise que c'est lui qui est censé nous fuir. Vous devez le faire déguerpir. Malheureusement, trop souvent, voire la plupart du temps, partout dans le monde, les prédicateurs et les églises imaginent autrement la scène. Régnez comme des rois. Relisons Romains 5, 17. Si par la faute commise par un seul homme, la mort a régné à cause de ce seul homme, à bien plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, qui est le don de la justification, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul La Bible amplifiée précise que nous régnerons comme des rois dans la vie par celui qui est unique, Jésus-Christ, le Messie, loin. Dieu veut que nous gouvernions et régnions comme des rois dans la vie, que nous dominions les circonstances, la pauvreté, la maladie et tout ce qui voudrait nous entraver. Nous régnons parce que nous détenons l'autorité. Nous régnons par Jésus-Christ dans l'au-delà Non, dans cette vie. Si nous chantons ou nous nous exprimons, veillons à ce que nos paroles S'aligne sur la parole de Dieu. Certaines personnes entendent des chants pleins d'incrédulité, tels Voici, j'ai comme un mendiant dans la chaleur et dans le froid, ou bien Précieux Jésus, ne m'oublie pas. Nous n'irons pas comme des mendiants, parce que nous ne sommes pas des mendiants. Nous sommes les enfants de Dieu, ses héritiers et co-héritiers avec Jésus-Christ. Romains 8, 17. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes assis avec Christ, à la droite du Père, majestueux, en haut, bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté. Gloire à Dieu. Cela ne fait pas penser aux mendiants, aux personnes qui risquent d'être oubliées par Jésus, ou aux chants qui clament, Si seulement j'arrive à monter au ciel, ou, quelque part dans l'ombre, tu trouveras Jésus. Ou, Seigneur, construis-moi une cabane dans un petit coin du paradis. J'aimerais mieux entendre un âne brayer que d'écouter de tels chants. Mais nous les chantons depuis si longtemps que nous les avons acceptés comme vrais. Les gens versent une larme pour un mendiant errant et croient s'attirer ainsi des bénédictions. Trop souvent, nous, chrétiens, nous imitons les oisillons dans le nid, les yeux fermés et le bec grand ouvert. Tout passant peut nous faire avaler n'importe quoi et nous le gobons. Mais je ne vais pas ouvrir grand la bouche et rester les yeux fermés. J'aurai les yeux grands ouverts et la bouche fermée. L'humilité ou la pauvreté. Par exemple, beaucoup de chrétiens pensent que la pauvreté est indice d'humilité. Un collègue me parlait un jour d'un autre serviteur de Dieu qu'il considérait comme humble parce qu'il conduisait une vieille voiture. Non, ce n'est pas de l'humilité, répondis-je, c'est de l'ignorance. Pour le premier prédicateur, le fait de conduire une vieille voiture était indice d'humilité. Une autre personne me dit, Vous savez fort bien que Jésus et les apôtres ne roulaient pas en cadillac. De toute évidence, ces voitures n'existaient pas à l'époque. Mais Jésus se servait d'un âne, l'équivalent d'une cadillac et le meilleur moyen de transport à sa disposition. Les enfants de Dieu ont permis au diable de leur dérober toutes les bénédictions dont ils devraient jouir. Dieu ne veut pas que nous soyons sous le joug de la pauvreté, car il nous dit de régner dans la vie comme des rois. Qui pourrait imaginer un roi dans la misère? L'idée de pauvreté ne vient tout simplement pas à l'esprit quand on pense au roi. Exercez votre autorité au sein de votre famille. Dieu n'a jamais voulu que le diable assujettisse nos familles. Quand le diable essayait d'infliger des maladies à nos enfants, lorsqu'ils étaient petits, je me mettais en colère et lui ordonnais de lâcher son emprise sur mes enfants. Je lui disais carrément, c'est moi qui règne dans ma sphère d'influence. Tu ne règnes pas dans ce foyer. Je règne par Jésus-Christ. Je le mettais en fuite et il se sauvait. Vous pouvez également le faire déguerpir. Il y a quelques années, quand je prêchais au nord des États-Unis, je fus réveillé au milieu de la nuit. D'une certaine façon, je savais dans mon esprit que quelqu'un était en danger. Et je me mis à prier en langue. Je demandais au Seigneur ce qui se passait, et il me montra qu'il s'agissait de mon frère aîné. Je savais que sa vie était en danger. Je continuais à prier doucement en langue pendant une heure et demie environ, sans déranger ma femme qui dormait à mes côtés. Finalement, je ressentis une note de victoire et commençai à chanter très doucement en d'autres langues. Puis, je me rendormis. Deux jours plus tard, ma sœur me téléphona du Texas. En pleurs, presque hystérique. Dub a eu un accident, et il s'est fracturé le dos, s'écria t elle. Son état est extrêmement grave. Il est dans le Kansas, et selon les médecins, ses jours sont en danger. Attends, calme toi. Son cas est moins grave que les médecins ne pensent. Si cela était, Dieu l'a déjà touché, parce que j'ai prié pour cette situation il y a deux nuits. Et je sais que Dieu m'a exaucé. Vraiment Oui, ne t'inquiète pas. Il va bien. Deux jours plus tard, elle me rappela. Elle avait pris de ses nouvelles et avait appris que, le dos plâtré, il venait de quitter l'hôpital. Malgré les prédictions des médecins, il n'était ni mort ni paralysé. Il vint nous voir à Garland, au Texas, et était très démoralisé et déprimé car sa femme l'avait quitté pendant son absence en emmenant avec elle les enfants. Le dimanche matin, je devais prêcher dans mon église et j'essayais de le convaincre de nous accompagner, sans succès. Il n'était qu'un bébé en Christ, tout juste sauvé. Tout d'un coup, au milieu de mon sermon, les yeux grands ouverts, j'eus la vision de mon frère dans le parc municipal. Je l'entendis se dire, je sais ce que je vais faire. Je vais tuer mon épouse et puis me suicider. J'arrêtai net mon message, demandant à l'assistance de patienter un instant, car, avant de poursuivre mon sermon, j'avais une affaire à régler. Je m'adressai au diable qui harcelait mon frère. Diable, arrête dès maintenant ton activité. Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de laisser cet homme en paix. La congrégation ne savait pas de qui je parlais. Mais le diable savait bien. C'est tout ce que je dis, puis je terminai mon sermon. En rentrant, je trouvai mon frère à la maison. De toute évidence, il était de bonne humeur. Il admit qu'en se promenant dans le parc, il avait décidé de prendre en main son destin. Je lui fis savoir que j'étais au courant et lui détaillai ce que j'avais vu. Soudain, expliqua-t-il, quelque chose s'est passé. C'est comme si j'avais été délivré de quelque chose. C'était comme si un nuage au-dessus de ma tête s'était dissipé, et je suis rentré en sifflant et en chantant. Dub ne savait pas comment établir lui-même le contact avec le Seigneur, puisqu'il n'était qu'un bébé en Christ. Parfois, nous, qui sommes plus mûrs spirituellement, devons assister ceux qui sont immatures, et gloire à Dieu, nous pouvons le faire. Le moment viendra, cependant, où ils devront apprendre à faire certaines choses pour eux-mêmes. À ce moment-là, nous ne pourrons pas intervenir à leur place. Nous habituer à notre position élevée. Nous, chrétiens, devons saisir le fait que nous sommes assis avec Christ. Il est important que nous apprenions à être élevés à la place que Dieu nous destine. L'Église manque trop souvent d'exercer son autorité. Au contraire, elle est écrasée par la défaite et vaincue par la peur. En Éphésiens 1, 22, Paul dit Dieu a tout placé sous ses pieds, de Jésus, et Christ, qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église. Jésus domine sur la maladie et l'infirmité, sur tout ce qui vient du malin. Sa vie sur terre fut la preuve de cette réalité. En inversant l'ordre des mots de ce texte, nous en faisons apparaître plus clairement le sens. Et nous déclarons que Jésus est le chef de l'Église qui domine sur toutes choses. C'est dans l'intérêt de l'Église que Jésus est établi chef de tout. Nous devons méditer ces vérités divines afin que nos esprits les saisissent pleinement. Une fois que nous l'aurons fait, nous récolterons de riches récompenses. Quand nous avons cette attitude de profond respect, l'esprit de vérité, le Saint-Esprit peut nous élever là où nous pourrons saisir la vraie signification de la révélation de Dieu. Dans son épître aux Éphésiens, Paul pria pour que l'Église d'Éphèse ait, elle aussi, cet esprit de sagesse et de révélation. Dieu fit de Christ le chef de tout et la tête de l'Église. Il est devenu chef suprême dans notre intérêt pour nous permettre d'exercer, par lui, l'autorité sur toute chose. Lorsque nous comprendrons ce qui nous appartient, nous jouirons de la victoire que Jésus nous a acquise. Le diable fera tout son possible pour nous empêcher d'aboutir, mais par la foi inébranlable en Christ, nous serons vainqueurs. Chapitre 6 Ressusciter avec Christ dans l'épître écrite à l'église de Colosse, bien qu'ils se servent de mots légèrement différents, l'apôtre Paul répète un précepte qu'il avait déjà enseigné aux Éphésiens à propos du plan divin de la rédemption. Il ne s'agit pas d'un message nouveau ou différent. Colossiens 1, 15 à 20. Jésus est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. C'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Il est lui-même bien avant toutes choses, et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts afin qu'en toute chose, il ait le premier rang. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son fils a versé sur la croix. Dans le deuxième chapitre, nous voyons que Christ fut ramené à la vie par Dieu le Père. Colossiens... 2, 12 à 15. Vous avez été ensevelis avec Christ par le baptême, et c'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscité avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Et vous, qui étiez morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez incirconcis, Dieu vous a donné la vie avec Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il a effacé le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle, quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Le verset 12 déclare que nous sommes ressuscités avec Jésus par la foi en la puissance de Dieu. Notez que c'est le Père qui a effectué cette œuvre. Le verset 13 précise que non seulement Dieu nous a ressuscités en même temps qu'il ramenait Christ à la vie, mais qu'il a aussi pardonné nos péchés. Quand Jésus, le juste, se soumit à la mort, ce que nous devions selon la loi fut payé. C'est alors que le Père effaça tout ce qui nous séparait de lui, toute transgression de ses lois et de ses commandements. Il cloua à la croix de son fils l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements désormais annulés. Paul est en train de dire ici, en Colossiens, que c'est Dieu l'auteur du plan de la rédemption. C'est Dieu qui ressuscita Jésus d'entre les morts. C'est Dieu qui lui accorda un nom au-dessus de tout autre nom. Et c'est Dieu qui dépouilla les puissances et les autorités des ténèbres, ennemis de la résurrection de Christ. Or, la mort est le salaire du péché. Par conséquent, lorsque Christ se chargea du fardeau de la culpabilité du monde sur la croix, ces puissances sataniques tentèrent d'exercer leurs droits et de retenir Jésus sous leur pouvoir. Les clés de l'autorité. Selon la Bible, Satan détenait le pouvoir de la mort, mais Jésus vainquit le diable. Jésus déclara dans Apocalypse 1.18, J'ai été mort, et voici, je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus priva le diable de ses clés. Gloire à Dieu, les clés appartiennent à celui qui est autorisé. Ce sont les clés de l'autorité. Rappelons-nous que la mort physique ne provient pas de Dieu, mais de l'adversaire. La mort est encore une ennemie. Selon la parole de Dieu, elle sera la dernière ennemie à être détruite. Gloire à Dieu, ce jour approche, mais vous n'avez pas encore votre nouveau corps. Il y a des gens qui croient qu'ils vont vivre éternellement ici-bas dans la chair, mais notez qu'aucun d'eux n'évitera la mort. Un homme voulut se quereller avec moi à ce propos. Et je lui répliquai, Si même Paul n'a pu survivre à la mort, il vaut mieux laisser tomber cette théorie. Je ne comprends pas comment quelqu'un pourrait être aussi insensé pour croire qu'il va vivre indéfiniment dans la chair, dans son corps actuel. Non, ce corps-là a besoin d'être transformé. Il est impossible de vivre éternellement dans le corps que vous avez maintenant. La Bible nous révèle à quel moment il sera changé lors de l'avènement de Jésus. En un instant, en un clin d'œil, les corps de ceux d'entre nous qui vivent encore seront transformés et deviendront immortels. Jusque-là, nous n'avons qu'une autorité limitée sur la mort. Après avoir dépouillé les puissances maléfiques de leur ancienne autorité, Jésus les donna publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Colossiens 2.15. Paul fait allusion ici à l'élévation de Jésus au-dessus de ses ennemis, à la droite du Père, dont il parle également dans l'Épître aux Éphésiens, comme nous l'avons déjà vu. De nouveau, Paul met l'accent sur l'action de Dieu le Père dans le renversement des puissances diaboliques et dans la défaite de Satan lui-même. Dans Éphésiens, nous avons également vu que le Fils est assis au-dessus de ses puissances et qu'il possède l'autorité du trône de Dieu. Voici exactement là où l'Église entière a échoué. Nous avons tous reconnu la suprématie de Jésus sur l'Église. Pourtant, nous n'avons pas compris que la tête dépend complètement du corps dans l'accomplissement de ses projets, que nous sommes assis avec Jésus dans les lieux célestes et que c'est le corps de Christ qui doit exercer son autorité sur les puissances de l'air. À l'heure actuelle, nous sommes en mesure de comprendre, comme jamais auparavant, ce que Jésus voulait dire par ⁇ Tout ce que vous interdirez sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu, et tout ce que vous autoriserez sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. ⁇ Matthieu 18, 18. C'est cela l'exercice de son autorité sur la terre. De temps à autre, quelques individus ont de petits aperçus de notre autorité spirituelle. Certains d'entre nous l'ont découverte inopinément et l'ont exercée sans se rendre compte de ce qu'ils faisaient. Ce qui me poussa à étudier ce sujet fut la question que je me posais Disposons-nous d'une autorité que nous ignorons Quand j'ai commencé à étudier ce sujet, j'ai découvert que nous avons bien une autorité, gloire à Dieu. J'ai compris également que le ciel veut nous soutenir concernant ce que nous refusons et ce que nous permettons. Nous avons permis beaucoup de choses, mais nous n'avons pas exercé notre autorité. C'est la raison pour laquelle les situations sont souvent ce qu'elles sont, car nous ne sommes pas intervenus. Nous attendons que Dieu fasse quelque chose tandis qu'il attend que nous fassions quelque chose, et qu'il ne fera rien avant que nous n'agissions. Il y a eu des moments où je priais pour un bien-aimé à l'article de la mort et où le Seigneur m'a dit, Je ferai ce que tu me diras à son sujet. Dans un cas particulier, j'ai demandé au Seigneur d'accorder deux ou trois ans de plus à la personne concernée. Il m'a promis de le faire. Simplement, parce que je le lui avais demandé. Il n'existe aucun Père terrestre, m'a-t-il expliqué, qui voudrait faire davantage pour ses enfants que moi, si seulement mes enfants me le permettaient. Certains pensent que Dieu est un tyran assis sur son trône tenant une énorme tapette à mouches dans la main. Selon eux, dès que vous faites une erreur, Dieu s'apprête à vous briser en mille morceaux. Mais ce n'est pas du tout la vraie représentation de notre Père. Nous entravons les desseins de Dieu parce que nous, son corps, n'avons pas saisi la signification de l'élévation de Christ et de notre position avec lui, à la droite du Père. Nous avons notre rôle à jouer. Nous devons coopérer avec le Seigneur par la foi. Jésus a dit que le Saint-Esprit, qui vient demeurer en nous dès notre nouvelle naissance, nous conduit dans toute la vérité. Un jour, un prédicateur prit une Bible et la jeta par terre, en déclarant qu'il n'en avait plus besoin, puisqu'il avait le Saint-Esprit. Au contraire, il en avait besoin, car on ne peut pas suivre le Saint-Esprit dans la vérité en dehors de la parole de Dieu. Si vous allez au-delà de la parole écrite de Dieu, vous allez trop loin. Ne vous éloignez pas de la parole. La parole de Dieu fut inspirée par l'Esprit de Dieu. Des hommes saints d'antan la rédigèrent. La parole de Dieu est d'une importance capitale. Pourtant, vous ne la comprendrez jamais avec la tête. Il vous faut la comprendre avec le cœur. Ne placez pas l'esprit au-dessus de la parole. Accordez la priorité à la parole et réservez la seconde place à l'esprit et vous serez en sécurité. Stanley Sham, célèbre éditeur, pentecôtiste et biographe de smith wigglesworth, mit l'accent sur le fait que ce serviteur de Dieu fut d'abord un homme de la parole de Dieu et ensuite un homme rempli du Saint-Esprit. Quel bon équilibre Chapitre 7 Nos armes de guerre Le croyant doit se revêtir, en tout temps, d'une armure spirituelle. Ephésiens 6, 10, 11 nous exhorte, Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Le chrétien qui endosse cette armure et s'implique dans ce combat spirituel devient une cible. Le combat spirituel, c'est faire les œuvres de Jésus et prendre autorité sur le diable. Pendant que nous vacons à tout ce qui a trait à notre vie quotidienne. Je ne parle pas d'essayer exprès de s'opposer de front à Satan dans un genre de combat dans la prière. Le diable fera tout son possible pour vous empêcher de pleinement comprendre l'autorité que vous détenez sur lui. Dans ce domaine, plus que pour tout autre sujet, il s'opposera à vous avec bien plus d'acharnement. Puis, dès que vous connaîtrez votre autorité, il vous contrecarrera et tentera de vous la dérober. Des épreuves se dresseront devant vous et parfois certains croyants succombent. L'adversaire veut que vous capituliez et que vous déclariez que l'autorité du croyant ne va pas marcher pour vous. Lors d'une réunion où je prêchais à ce sujet, un homme m'informa que cela ne marcherait pas pour lui. Je lui répondis que si c'était le cas, le Seigneur était un menteur. Essentiellement, cet homme qualifiait Dieu de menteur. Je préférerais mourir plutôt que d'affirmer que la parole de Dieu est inefficace. Si elle ne produit rien, c'est parce que je ne l'ai pas mise en pratique. Peut-être échouons-nous, mais la parole de Dieu ne fait jamais défaut. Je crois que sa parole est vraie. Le diable résistera à votre intrusion sur son territoire parce qu'il exerce son autorité sur les puissances de l'air, et qu'il entend continuer à le faire. Quand vous vous immiscez dans le royaume de Satan, en usant de votre autorité spirituelle, il vous attaquera en tentant de vous faire renoncer à l'exercice de cette autorité. Si vous résistez avec succès aux assauts de Satan dans un domaine, il vous attaquera dans un autre. Vous feriez bien de vous préparer car ces assauts ne manqueront pas de se produire. Autrement dit, votre position spirituelle privilégiée fait de vous l'ennemi du diable. Voyez-vous, le diable se rend compte qu'il ne peut pas asservir un croyant qui est conscient de son autorité en Jésus Christ. Ce croyant sait qu'il est assis avec Christ dans les lieux célestes et que le diable est un ennemi vaincu sous ses pieds. Ephésiens 1,15, 2,6. En outre, ce croyant est convaincu qu'aucune œuvre diabolique ne peut l'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu sur terre. Comment rester invincible Si les chrétiens profitent de l'armure spirituelle mise à leur disposition, l'ennemi ne peut pas les vaincre. À mon avis, rien de ce qui vient du diable ne devrait pouvoir vaincre ceux qui parmi nous qui sont membres du corps de Christ. Le croyant doit toujours être revêtu de cette armure. Paul a prié sous l'inspiration du Saint-Esprit afin que les yeux du peuple de Dieu soient ouverts pour connaître cette pleine provision destinée à le protéger. Nos armes spirituelles sont exposées dans Éphésiens 6. Éphésiens 6, 10 à 17. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres, et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi, endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible, si vous endossez toute l'armure de Dieu, vous tiendrez ferme. Tenez donc ferme. Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Aucune flèche enflammée ne devrait atteindre votre corps, votre âme ou votre intellect, puisque vous êtes muni du bouclier de la foi. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Les différents éléments de cette armure symbolisent des réalités spirituelles propres aux croyants. Revêtu de ses armes, le croyant est protégé et libre d'exercer son autorité. Sa seule préoccupation consiste à conserver l'éclat à son armure et à bien l'attacher à lui. Examinons de plus près ses armes. La première arme citée est la ceinture de la vérité, qui représente, selon l'enseignement de John A. Macmillan, la bonne compréhension de la parole de Dieu. À l'exemple de la ceinture du soldat, elle maintient en place le reste de l'armure. La deuxième arme est la cuirasse de la justice, qui a deux significations. En premier lieu, Jésus est notre justice. Nous nous revêtons de lui en premier. Ensuite, elle représente notre obéissance à la parole de Dieu. La troisième arme est le fait que nous sommes chaussés des bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Cette arme parle de l'annonce fidèle de la parole de Dieu. La quatrième arme est le bouclier de la foi. Or, le bouclier est censé couvrir tout le corps. Il symbolise notre sécurité totale sous le sang de Jésus, là où aucune puissance ennemie ne peut pénétrer. La cinquième arme est le casque du salut, décrit en 1 Thessaloniciens 5:8 comme l'espérance du salut. L'espoir du salut constitue la seule manière de protéger notre intelligence en ces jours où les gens se détournent de la vérité. Le sixième élément est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Cette image nous montre que la parole de Dieu est une arme offensive, tandis que toutes les autres sont en principe de nature défensive. L'épée, la parole de Dieu, est une arme effective. Revêtue de l'armure de Dieu, vous êtes équipé, pour résister à tout assaut de l'ennemi. Chapitre 8 Notre autorité sur les esprits démoniaques et non sur la volonté humaine Bien que nous détenions l'autorité sur les esprits démoniaques, nous n'avons aucun pouvoir sur nos semblables ni sur leur volonté. Nous nous trompons souvent en imaginant disposer de ce pouvoir. Nous avons autorité sur les démons et pouvons les contrôler en ce qui concerne notre vie ou celle des membres de notre famille. Mais nous ne pouvons pas toujours les contrôler quand il s'agit d'autres personnes, parce que la volonté de ces individus entre en jeu. Il y a de nombreuses années, j'animais une réunion en Oklahoma, et pendant que je priais pour les malades qui s'étaient avancés, je sus, par un témoignage intérieur, Qu'une de ces personnes avait un démon en elle. Cela ne veut pas dire que l'homme était possédé par un démon. C'est tout à fait autre chose. Si quelqu'un est possédé, tout son être est sous l'emprise du diable, esprit, âme et corps. On peut avoir un démon dans son corps sans, pour autant, être possédé par un démon. Je ne cessais de regarder autour de moi. Lorsqu'un certain homme fut près de moi, le quatrième pour lequel j'allais prier, je compris que le démon était en lui. Je ne dis rien à haute voix. Vous devez vous rendre compte que, bien que le diable connaisse certaines choses, il ne sait pas tout. Il n'est pas omniscient comme Dieu. Il est clair que le diable sait certaines choses en raison de ses pouvoirs psychiques. Certaines voyantes prédisent bien des événements qui se produisent. Le diable connaît même certaines de vos pensées. Comment savons-nous ceci Parce que souvent, les télépathes peuvent lire dans vos pensées et vous les répéter. Et ce n'est pas par la puissance de Dieu qu'ils le font. Avant que cet homme ne se présente devant moi, je me suis dit, je vais chasser ce démon de lui. Je ne disais rien à haute voix, je le pensais seulement. Une fois devant moi, avant que je ne dise quoi que ce soit, il s'exprima. À travers lui, le diable pleurnicha d'une voix naséargue et aiguë. Tu ne peux pas me chasser! Tu ne peux pas me chasser! Tu ne peux pas me chasser! Mais oui, je peux le faire au nom de Jésus, lui ai-je répondu. Mais non, tu ne peux pas! Cet homme veut que je reste. Et s'il veut que je reste, je peux. Tu as raison, ai-je constaté. Et je n'ai pas prié pour lui. Les esprits religieux. Plusieurs jours plus tard, je vis cet homme dans la rue et j'attirai son attention pour converser avec lui. Il n'était pas dingue. Il avait toutes ses facultés mentales. Pendant que je lui parlais, je découvris le genre d'esprit qu'il avait. Il s'agissait d'un esprit religieux. Il est important de savoir que de tels esprits existent et qu'ils incitent les gens à être très religieux. Pour tout dire, cet homme avait trois mauvais esprits en lui. Les deux autres étant un esprit trompeur et un esprit menteur. Bien que croyant à un mélange de doctrine biblique et de religion orientale, il penchait plus vers les religions orientales. Je lui en parlais en expliquant Ses croyances ne sont pas bibliques, elles ne s'alignent pas sur le Nouveau Testament. Qu'elles soient bibliques ou non, elles me conviennent et je vais continuer à y adhérer, me répliqua-t-il. Si jamais vous avez envie de vous débarrasser de ce démon, venez me voir. Mais tant que vous êtes satisfait de cette situation, rien ne va changer. C'est ce que je veux, répondit-il. Le libre arbitre prévaut. Vous êtes obligé de partir et de laisser les gens quand ils veulent le statu quo. S'ils veulent vivre dans le péché, c'est leur choix. S'ils veulent être affranchis, ils peuvent l'être. Mais tant qu'ils ne veulent pas être libres, ni Jésus ni personne d'autre ne peut les délivrer. Vous ne pouvez pas exercer sans restriction votre autorité sur le diable dans la vie d'autrui. Vous avez autorité sur votre vie et celle de votre propre famille, mais vous ne pouvez pas chasser le diable de tous ceux que vous rencontrez dans la rue, même s'ils ont vraiment un diable en eux, puisqu'ils détiennent l'autorité sur leur propre vie. En revanche, s'ils veulent être secourus, c'est tout à fait autre chose. Il est étonnant de réaliser que, parfois, même des gens remplis de l'Esprit ne veulent pas d'aide. En 1954, je prêchais pour la première fois dans l'État de l'Oregon. Le dimanche soir, ma première prédication fut plutôt du genre évangéliste. Le lundi soir, je prêchais sur la foi et j'annonçais qu'il y aurait un culte de guérison le mardi soir. À l'époque, je mettais les gens dans la même file de prière, qu'ils aient recherché le salut, le baptême du Saint-Esprit ou la guérison, et je priais pour chacun individuellement. Je me retrouvais devant une femme, accompagnée d'un monsieur qui ne cessait de parler. Elle ne disait pas un mot. Elle avait clairement des problèmes psychologiques. L'homme expliqua que sa femme était très nerveuse et qu'elle avait été quelque temps dans un hôpital psychiatrique. Permettez-moi de vous signaler quelque chose. Vous ne devriez pas exercer une autorité spirituelle sur les autres comme vous le voulez. Vous devez avoir une manifestation de l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens essuient des échecs. Ils essaient d'affronter des esprits sans parole de connaissance, sans discerner les esprits ou sans aucune onction du Saint-Esprit. Quand Jésus me parla, un jour du diable, des démons et de la possession démoniaque, il me cita l'exemple de la fille possédée par un esprit de divination. Selon Acte 16, 18, elle suivit Paul et Silas pendant plusieurs jours de suite, en criant Ces hommes-là sont des serviteurs du Dieu Très-Haut. Verset 17. Jésus me posa cette question Sais-tu pourquoi Paul n'a pas chassé cet esprit dès le premier jour Non. Je n'en ai aucune idée, lui ai-je répondu. Je me suis posé la question. Pourquoi Paul, apôtre, homme de Dieu, homme d'autorité, n'a-t-il pas pris autorité sur cet esprit mauvais dès le premier jour Il a dû attendre la manifestation de l'Esprit. Il a été obligé d'attendre que l'Esprit de Dieu lui donne le discernement des esprits, me répliqua Jésus. Voyez-vous, vous pouvez chasser le diable de votre vie ou de votre foyer à n'importe quel moment. Si quelqu'un se trouve sur votre territoire, vous avez autorité sur lui. Mais si vous vous éloignez de votre sphère d'influence, les esprits mauvais ont le droit d'y être, parce que Satan est le Dieu de ce monde. Voilà pourquoi Paul dut attendre plusieurs jours avant de délivrer la fille possédée. Il n'ordonna pas à l'esprit de la quitter le premier jour où elle le suivit. Il patienta et, au moment propice, il s'adressa à cet esprit qui sortit d'elle. Quand j'imposai les mains à la femme dans la file de prière, je ne vis pas d'esprit, mais j'eus une parole de connaissance. À l'époque, je n'exerçais pas le don de discerner les esprits, mais je savais recevoir des paroles de connaissance. Dès que je lui imposais les mains, je vis la vie de cette femme se dérouler devant mes yeux comme sur un écran de télévision, et je compris tout. Je dis à son mari Je ne veux pas prier pour elle, conduisez-la dans le bureau du pasteur, et à la fin de la réunion, je viendrai vous parler, à tous les deux, avec le pasteur. Alors, il l'y accompagna. Quand je me rendis dans le bureau avec le pasteur, je découvris que le mari était un diacre de cette église. Je lui expliquai que je voulais que le pasteur soit présent en tant que témoin. Il vous confirmera qu'il ne m'a rien dit sur votre femme. Je ne connais personne dans cet état des États-Unis, à part ce pasteur. Et je ne vous ai jamais vu auparavant, ni vous, ni votre femme. Je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas prié en public pour votre femme. Quand je lui ai imposé les mains, j'ai su en moi, j'ai tout vu en un clin d'œil, que votre femme a entendu une fois un évangéliste dire que le Seigneur lui avait parlé d'une voix audible. Votre femme s'est mise à désirer que Dieu lui parle, à elle aussi, d'une voix audible. Ce qu'elle n'a pas réussi à comprendre, c'est que l'évangéliste n'a pas dit qu'il cherchait à entendre Dieu lui parler de cette façon-là. Il n'a pas demandé à Dieu de le faire. Il attendait simplement devant le Seigneur. Quand vous commencez à rechercher une voix audible, le diable se fera un plaisir de vous répondre. Il ne faut pas désirer cela. Des démons ont commencé à lui parler. Elle a commencé à entendre ces voix qui l'ont rendue folle. Vous m'avez dit qu'elle avait été hospitalisée une fois. En fait, cela s'est passé deux fois, n'est-ce pas Qui vous l'a dit répondit le mari. Le Seigneur. Il m'a également montré que vous avez accompagné votre femme à une réunion de guérison et, puisque l'évangéliste n'a pas pu la délivrer, vous êtes furieux contre lui. Puis, j'ai vu dans l'esprit que vous l'avez amenée à une réunion animée par un prophète. Il n'a pas pu la franchir. Alors, maintenant, vous êtes en colère contre lui. Je ne pourrais pas la délivrer, pas plus que les deux autres. Et vous seriez en colère contre moi. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu prier pour elle. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi ils ne l'ont pas délivrée et pourquoi je ne peux pas le faire non plus. Elle n'a pas envie d'être délivrée. Tant qu'elle veut entendre ses voix, elle va les entendre. Elle n'est pas folle, elle entend tout ce que je dis. Je me tournais vers elle et lui dis, ⁇ Ma sœur, quand vous n'aurez plus envie d'entendre ces voix, venez me voir et je vous aiderai. ⁇ Eh bien, je veux entendre ces voix, me répondit-elle. Je sais. Quelqu'un pourrait dire, peut-être ne comprenait-elle pas ce qu'elle disait. Le Seigneur me l'aurait révélé, si cela avait été le cas. Je l'aurais su. La Bible indique, concernant le ministère de Jésus, qu'il chassa les esprits maléfiques par sa parole. Elle précise également qu'il les chassa par l'Esprit de Dieu. Sa parole ne fut pas prononcée sans l'implication de l'Esprit de Dieu. Lisez le chapitre 12 de l'Évangile de Matthieu. Les pharisiens accusaient Jésus de chasser des démons par le pouvoir de Belzébul, le chef des démons. Verset 24. Jésus répondit. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors, de toute évidence, le Royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Verset 28. La parole nous révèle que nous avons une autorité spirituelle, mais nous devons dépendre de l'assistance du Saint-Esprit pour l'exercer. Nous ne pouvons pas le faire tout seuls. Comme je l'ai dit auparavant, si le diable m'attaque, j'ai autorité sur lui, car j'ai autorité sur ma propre vie. Je peux lui ordonner de quitter mon foyer aussitôt. Je peux également contrôler des situations tant que les autres sont en ma présence. Par exemple, un ami, pasteur originaire de Furworth, au Texas, m'accompagna une fois en Californie à une réunion où je devais prêcher. Il était diabétique depuis plusieurs années et devait vérifier chaque matin le taux de sucre dans son urine afin de déterminer quelle quantité d'insuline il devait s'injecter pour la journée. Désireux de renforcer sa foi, je me tournai vers lui comme nous quittions son presbytère et lui dis ⁇ Tant que tu seras avec moi, le taux de sucre sera nul. ⁇ Car j'arrivais à contrôler cette maladie tant qu'il était avec moi, en ma présence. Mais je ne pouvais pas la contrôler quand il n'était pas avec moi. Il m'aurait fallu le former à l'exercice de son autorité spirituelle. Il me dévisagea, incrédule. Mais pendant les deux semaines environ qu'il passa avec moi, il n'eut aucune trace de sucre, même s'il mangeait des tartes et des gâteaux. Je sais que j'aurai du sucre aujourd'hui, me disait-il. Mais après avoir fait ces tests, il disait :« Je n'ai jamais vu de miracle aussi impressionnant de toute ma vie. » Plus tard, il me fit savoir que trois jours après son retour chez lui, il avait constaté la réapparition de sucre dans son sang. Voyez-vous. J'avais revendiqué l'autorité sur cette maladie. J'avais la domination sur les forces invisibles, mais pas sur la volonté du pasteur. J'arrivais à contrôler la situation tant que l'homme et cette force invisible étaient en ma présence. J'essayais de le persuader qu'il pouvait exercer la même autorité, mais il ne le comprit pas. Il s'attendait à la réapparition du diabète, et celui-ci est revenu. Il lui fallut cinq ans pour comprendre finalement son autorité spirituelle. Certains de nous, prédicateurs, sont parfois lents. J'aurais également aidé d'autres personnes si j'avais pu être constamment avec elles. Mais je ne peux pas vivre avec les gens. Je n'ai pas le temps. Briser le pouvoir du diable. Il y a des années, alors que mon frère aîné était lié par l'ennemi, je dis. Satan, au nom de Jésus-Christ, je brise ton pouvoir sur la vie de mon frère et je réclame sa délivrance et son salut quinze jours plus tard environ mon frère naquit de nouveau or pendant quinze ans j'avais tout essayé pour qu'il soit sauvé sans aucun résultat pourtant quand je pris enfin position et exerçai mon autorité en tant que croyant cela marcha quelqu'un m'entendit témoigner de cela et me dit qu'il allait essayer de suivre cette méthode pour voir si elle marcherait pour lui. Je savais qu'elle ne marcherait pas pour lui, parce que moi, je ne l'avais pas essayée, je l'avais appliquée. Parfois, des enfants de Dieu prétendent vouloir essayer une méthode qui a réussi pour un autre chrétien. Si seulement ils étudiaient la parole de Dieu et se revêtaient de son enseignement sur l'autorité, ils obtiendraient les résultats souhaités. Mais s'ils essaient d'agir selon la parole de Dieu, sans s'en être imprégné l'esprit, le diable les vaincra à plate couture. Vous battrez l'adversaire uniquement quand vous serez basé sur la parole de Dieu et que vous vous y conformerez. En parlant de Satan, la Bible nous exhorte ainsi Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi. 1 Pierre 5, 9. Votre niveau de foi est directement lié à la quantité de la parole de Dieu dans votre cœur, c'est-à-dire de cette parole qui est devenue réalité pour vous et que vous appliquez quotidiennement. La raison pour laquelle les gens perdent leur guérison. Quand les gens se trouvent dans un lieu où le niveau de foi est élevé, parce que la foule est remplie de foi, ou dans un lieu où opèrent les dons de l'esprit, il leur est assez facile de recevoir la guérison. C'est ce qui se passe dans de grands rassemblements. J'en fus moi-même témoin lors des réunions de célèbres évangélistes qui eurent lieu pendant la période du réveil de guérison entre les années 1947 et 1958. Cependant, lorsque ces individus se retrouvent à nouveau seuls, le diable vient leur infliger des symptômes fallacieux. Si ces personnes ne sont pas solidement fondées dans la foi, le diable leur impose la même infirmité qu'auparavant. C'est la raison pour laquelle vous voyez des gens être délivrés d'esprits maléfiques, de maladies, de beaucoup d'ennuis, et pourtant, lorsque vous les revoyez la fois d'après, ils font de nouveau face aux mêmes problèmes. Quelqu'un dira alors, ils n'ont jamais été guéris au début. Mais sans être guéri, comment un homme estropié peut-il marcher, lui qui n'a jamais marché auparavant Si ce n'est pas une guérison, de quoi s'agit-il Comment un aveugle peut-il voir Et j'ai vu de telles guérisons, lui qui n'a pas vu auparavant. Ils se portaient bien avant de rentrer chez eux, mais deux ou trois semaines plus tard, ils avaient perdu leur guérison. Pourquoi Parce qu'ils ne saisissaient pas l'autorité qui leur appartenait. Ils ne surent pas comment préserver ce qu'ils avaient. Alors, ils n'essayèrent pas d'exercer eux-mêmes leur autorité, ou bien, ils s'exprimèrent ils déclarèrent ce qu'il ne fallait pas. J'ai vu des gens souffrant de poliomélite complètement guéris, les pieds et les jambes redressés, mais qui avaient perdu leur guérison dix jours plus tard. Je me rappelle une femme qui avait été grabataire pendant trois ans à cause d'arthrite. Elle était raide comme un piquet dans son lit, mais elle fut guérie instantanément, se leva et marcha. Son médecin ne put détecter aucune trace d'arthrite dans son corps. Pourtant, six semaines plus tard, elle était de nouveau raide comme un piquet. Pourquoi perdit-elle sa guérison Selon certains, on les hypnotise. Vraiment Non. Les gens pénètrent dans la présence de Dieu où se manifestent les dons du Saint-Esprit et il est facile de recevoir la guérison. Pourtant, quand les gens se retrouvent seuls, ils n'ont plus aucun recours. C'est pourquoi... Il faut leur enseigner la parole de Dieu et leurs droits et privilèges en tant que croyants. Alors, ils pourront exercer leur propre autorité sur le diable, la maladie et les circonstances. Chasser des démons. La Bible fait la différence entre chasser les démons et guérir les malades. Il nous arrive de ne pas voir de réponse à la prière ou à l'imposition des mains à cause de la présence d'un esprit malfaisant. Examinons le cas d'une femme baptiste à la Nouvelle-Orléans. Elle avait des troubles mentaux et était internée dans un hôpital psychiatrique. Un jour, un de mes amis, un pasteur baptiste qui avait reçu le baptême dans le Saint-Esprit, lui rendit visite afin de prier pour elle. Il chassa sept démons de la femme qui fut aussitôt rétablie. Un professeur d'université, au courant de son cas, s'en servit comme illustration dans ses cours. Il en était tellement impressionné qu'il invita le pasteur Baptiste à venir en discuter avec lui. En conséquence, l'épouse du professeur fut baptisée du Saint-Esprit. Le professeur lui-même ne désira pas seulement la plénitude de l'Esprit, mais il incorpora aussi dans son enseignement le fait que l'influence des démons sur ce monde est plus grande qu'on ne le pense. Oppression ou possession. Dans les années 1950, un membre d'Église s'avança pour la prière et je me rendis compte qu'un démon affligeait son corps. Cet homme avait demandé à presque tous les évangélistes très célèbres de prier pour lui, sans pour autant recevoir sa guérison, parce qu'il n'avait pas besoin d'une guérison, mais de la délivrance de l'esprit qui l'oppressait. En m'apprêtant à prier pour lui, j'expliquai à l'auditoire le corps de cet homme est oppressé par un démon. Il n'est pas possédé par un démon. On peut l'illustrer ainsi. Imaginez que vous habitez une maison qui a été construite il y a presque 100 ans et que quelqu'un vous annonce ⁇ Cette maison a des termites. Cela ne veut pas dire que vous avez des termites en vous. Votre corps est la demeure dans laquelle vous vivez. Si vous savez le faire, vous pouvez empêcher que des termites pénètrent dans votre foyer et que des démons aient accès à votre corps. Ils ne pourront pas s'y infiltrer si vous prenez les bonnes précautions. Un jour, j'ai entendu le témoignage d'un psychiatre, rempli de l'esprit, qui était bénévole dans les hôpitaux de sa région, qui dispensait gracieusement des soins. Dans une clinique psychiatrique, il décida de tenter un traitement dans l'intérêt d'un homme qui ne parlait pas depuis trois ans. L'homme regardait droit devant lui, impassible, comme une statue. Je lui ai imposé les mains tous les jours, expliqua-t-il en disant S'il y a des esprits maléfiques ici, je réprimande chacun d'entre eux et lui ordonne de partir au nom du Seigneur Jésus-Christ. S'il n'y avait pas d'autres médecins, ce docteur imposait les mains aux patients et priait en langue à haute voix à son sujet, pendant cinq minutes chaque jour. En présence d'autres médecins, il faisait preuve de sagesse, sachant que ces derniers ne comprendraient pas ce qu'il faisait, et priait silencieusement. Au bout de dix jours, le patient parlait, et au bout de trente jours, il put rentrer chez lui guéri. Ce médecin aida également d'autres patients, Dieu honore la foi et l'Esprit de Dieu sait comment prier. Il est l'auteur de la prière. Comment chasser les démons Nous sommes obligés de dépendre de l'Esprit de Dieu pour savoir quand il y a des démons et comment les affronter. Nous sommes impuissants sans l'Esprit et sans la parole. Ne soyez pas seulement quelqu'un qui se base sur la parole en négligeant l'Esprit, et ne soyez pas seulement quelqu'un qui fait appel à l'Esprit en négligeant la parole. Beaucoup de croyants essaient d'appliquer la parole de Dieu sans faire appel à l'Esprit de Dieu. Vous devez avoir les deux. L'Esprit et la parole sont d'accord l'un avec l'autre. Vous n'êtes pas obligé de lier des esprits lors de toutes les guérisons. Mais le Seigneur vous montrera s'il faut le faire. À mon avis, Dieu est un être intelligent, et moi aussi. Alors, il peut me dire si un esprit maléfique est présent. Je fais autant attention à ce qu'il ne dit pas qu'à ce qu'il dit. S'il ne me dit rien, je ne sais pas de lier un esprit malin. Je m'occupe de la guérison de l'individu. Ce qui est bizarre, c'est que parfois, le Seigneur me guide à m'occuper de la guérison d'une personne et qu'ensuite, dans un cas apparemment identique, il me guide à lier un esprit. Je ne comprends pas pourquoi, mais je sais de par mon expérience, que c'est ainsi que cela fonctionne. On ne peut pas juger un cas d'après un autre. Les gens désemparés ont besoin d'aide. Parfois, votre foi suffit pour les porter. Par contre, ceux qui sont instruits, qui ont été éclairés, doivent marcher à la lumière de ce qu'ils savent. Certaines personnes sont plus éclairées que d'autres. Plus vos connaissances sont grandes, plus on en exige de vous. Vous pouvez être délivré de toute oppression qui afflige votre corps et vos pensées. Vous pouvez exercer une autorité spirituelle sur les autres tant qu'ils sont en votre présence. Vous pouvez prendre autorité sur toute force invisible. Si vous apprenez à exercer votre autorité spirituelle de cette manière, cela marchera chez vous aussi. J'ai entendu parler de chrétiennes ayant exercé leur autorité spirituelle quand leur conjoint non sauvé rentrait à la maison, querelleur et agressif. Ses épouses avaient appris comment lier calmement et paisiblement les esprits impurs, auteurs de la confusion, comment revendiquer l'autorité sur eux et voir la situation changer. J'appris à le faire il y a des années, lorsque les membres de ma famille se laissaient aller à une colère excessive. Je prenais tout simplement autorité sur la situation. De toute évidence, ils s'en rendaient compte, car ils me lançaient des regards effrayés et changeaient leur attitude sur le champ. Je ne dominais pas leur volonté, mais l'esprit qui les incitait à agir ainsi. Un jour, Jésus fit savoir à ses disciples qu'ils se rendaient à Jérusalem, où ils souffriraient beaucoup et finiraient par mourir. Pierre protesta. Alors, Jésus lui fit immédiatement des reproches. Arrière, Satan, éloigne-toi de moi. Matthieu 16, 23. Jésus ne voulait pas dire que Pierre était le diable, mais que Pierre venait de se ranger du côté du doute, de l'incrédulité et de l'adversaire. Parfois, les chrétiens cèdent inconsciemment à l'ennemi. Pourtant, nous pouvons prendre autorité sur cet esprit. Selon la Bible, nous pouvons également prendre autorité sur la peur, même dans notre propre vie. Il est essentiel de le savoir. Par contre, nous ne pouvons pas toujours prendre autorité sur la peur dans la vie d'autrui. J'ai pu contrôler la peur d'une personne qui ne savait pas la maîtriser tant que cet individu était en ma présence. D'après 2 Timothée 1, 7, Ce n'est pas d'un esprit de peur que Dieu nous a dotés, mais de courage, d'amour et d'un esprit saint. Traduction littérale de la Bible, KJV. Remarquez que, selon la Bible, la peur est un mauvais esprit. Mais Dieu nous a accordé un esprit saint, un esprit de courage et d'amour. Même à l'époque où j'étais un jeune pasteur baptiste, j'exerçais toujours mon autorité sur la peur et sur le doute. Si jamais j'étais tenté par l'incrédulité, je m'exclamais, Doute, je te résiste au nom de Jésus. Si jamais j'étais tenté par la peur, je m'écriais Peur, je te résiste au nom de Jésus. Le doute et la peur doivent vous quitter si vous leur résistez ainsi. Nous pouvons même revendiquer l'autorité sur ceux qui s'opposent à la vérité. Au Texas, il y avait un pasteur d'une église du plein évangile qui habitait à côté du domicile d'un policier. Ce dernier fréquentait une confession qui s'opposait vigoureusement au parler en langue. Le pasteur convainquit son voisin de venir dans son église. À son tour, le policier l'invita, son troupe y croire, à l'accompagner dans son assemblée. Le serviteur de Dieu accepta en apprenant que le message du pasteur porterait sur les langues. Pendant le sermon, le prédicateur ne fit même pas allusion à la parole de Dieu, mais se contenta de raconter différentes anecdotes qu'il avait entendues à propos de ceux qui parlaient en langue. Lorsqu'il se mit à les imiter, le pasteur de l'église du plein évangile prit autorité sur la situation. Le prédicateur s'arrêta net, pâlit et s'assit sans terminer son message. Ayant compris ce qui s'était passé, le policier aborda plus tard son invité. Lui serra la main et l'étreignit en disant ⁇ Dieu soit béni, je suis content que le Seigneur l'ait arrêté. Il aurait mieux fait de se taire. Le lendemain soir, le prédicateur s'excusa d'avoir parlé de choses qu'il ne comprenait pas. Il signala qu'en prêchant la veille, il s'était senti comme si Dieu l'avait arrêté. Il ajouta qu'il valait mieux ne pas discuter de sujets qu'on connaît mal. Résister au diable. Souvent, nous nous rendons compte que certaines épreuves que nous affrontons sont l'œuvre de l'ennemi. Alors, nous poussons des cris vers Dieu afin qu'il chasse le diable et change les circonstances pour nous. Pourtant, la parole de Dieu nous commande de résister nous-mêmes à l'ennemi. Nous lisons dans Jacques 4, verset 7, Résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous avons autorité sur le diable et la responsabilité de l'exercer. Si nous résistons au diable, il fuira loin de nous. La Bible ne dit pas obligez quelqu'un d'autre à résister au diable à votre place. Elle nous exhorte, nous, à résister au diable. Parmi nous, trop nombreux sont ceux qui se montrent passifs devant les problèmes, attendant que Jésus s'en occupe, alors que c'est à nous de résister au diable. Pourquoi Parce que nous avons l'autorité pour le faire. Nous souhaitons toujours que quelqu'un d'autre fasse ce que nous sommes censés faire. Évidemment, nous aurons toujours à porter des bébés spirituels, et nous devrons les porter par notre foi. Mais certains parmi nous devraient grandir suffisamment pour soutenir le pasteur en prenant soin des bébés, afin que celui-ci ne soit pas obligé de tout faire. Les conditions de ce monde existent parce que nous leur permettons d'exister. Jésus dit en Matthieu 18, verset 18, Vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous interdirez sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu. Et tout ce que vous autoriserez sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. J'aime bien une autre traduction de ce verset qui le rend ainsi. Tout ce que vous refuserez sur terre, on le refusera dans le ciel. Bible, parole de vie. Exercez votre autorité. Si vous voulez recevoir Jésus dans votre cœur, déclarez à haute voix ce qui suit. Bien-aimé Père céleste, je viens à toi au nom de Jésus-Christ. Ta parole déclare, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jean 6, C'est pourquoi je crois que tu ne me repousses pas, mais que tu m'acceptes. Je t'en remercie. Ta parole déclare aussi, Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10, 13. Je fais appel à ton nom et je sais que je suis sauvé. Il est également écrit Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains 10, 9 Je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour me rendre juste devant lui. Et je confesse maintenant qu'il est mon Seigneur. Merci Seigneur. Pour vous souvenir du jour où vous avez fait cette déclaration de foi à votre Père Céleste, vous pouvez inscrire cette date dans votre Bible ou sur une feuille de papier avec votre signature. Écrivez-nous aussi pour nous dire cela et de ce que cet audiobook vous a apporté. Voici l'adresse. Édition Victoire, édition avec un S. Boîte postale. 1357 06006 Nice Cedex 1 France notre contact email info édition victoire en un seul mot avec un s à édition com je répète l'adresse Édition Victoire, Boîte Postale 1357, 06006, Nice, Cedex 1, France. Notre contact email info. Édition Victoire.com. Au revoir.